Hello, hello tout le monde! Hello! Eh bien, le bonjour, chers élèves de l'école de magie. Oui, j'ai sorti ma plus belle écharpe. Très cher professeur McLeogal, alias Lautheim, bonjour! Eh bien, bonjour, elle est magnifique cette écharpe! Ouais, elle appartient à une licence Moldue inspirée de notre monde, je crois. J'en doute pas un seul instant. Et bonjour les élèves, bonjour Alexis Stone, Gounéev, Lily Suzy, Dorian, Psycrane, et bonjour à tous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et sans plus attendre, je vous remets cette petite présentation de notre école. Pour ceux qui n'auraient pas écouté, qui n'auraient pas été attentifs dans le fond de la classe, c'est parti, regardez-moi un peu ça. C'est une histoire passionnante. Sans vouloir me vanter, je ne peux pas te la raconter maintenant. Mais prends mon bras. J'ai transplané, c'est ça? C'est cela? Et de façon magistrale, je dois dire. La plupart des gens vomissent la première fois. Je ne vois pas pourquoi. Notre école n'a pas encore décidé. PTDR, t'es qui? Bark Master. Bon courage. Je vois. Toi, t'es un sacré cadeau. Je suis devenu une victime. Je suis Lily Suzy, votre MVP bien-aimée. Je remets mon titre en jeu lors de l'event des fêtes de fin d'année. Viens essayer de me détrôner si tu l'oses, mais attention, tu n'as aucune chance, c'est moi la meilleure. Et oui, voilà notre petite présentation. Je sais qu'elle vous avait manqué. Oh, Lily, Suzy, si peu, mais c'est tu es MVP, t'as le droit un petit peu de te la péter un petit peu quand même. C'est le but. Je veux dire, Oui. quand même, quand même. Tout à fait, tout à fait. Si notre MVP ne peut pas être mis en avant, pourquoi avons-nous un MVP presque? Exactement, exactement. Ça fait partie du privilège de la fonction, comme on dit. C'est tout à fait ça. Vous avez peut-être remarqué que ce que vous avez sous les yeux n'est pas conforme à ce qui était annoncé. En effet, le professeur Flitwick a dû faire face à un imprévu, très cher collègue. Tout à fait, tout à fait. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment il y a des petites inquiétudes à l'école. Nous avons noté la disparition de Pourpantina Goldstein et de quelques smorgasstra. Alors il se trouve que vous m'avez pas beaucoup vu cette semaine, tout simplement parce que j'étais à leur recherche. Et cher, alors merci les collègues d'avoir temporisé, de ne pas avoir inquiété les élèves. Mais leurs traces ont été retrouvées vers le nord de la de Discordia. Donc par-delà les terres de Flo-Flo, dans les montagnes. Malheureusement, je n'ai pas pu aller les chercher parce que c'est des endroits qui sont très 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 dangereux.
Mes chers collègues, non, je vais... on ne doit pas aller. Je vais leur montrer ça, hein, si c'est plus clair pour vous. Voilà. Donc, pouvez nous dire où ça se trouve sur la carte, hein, n'hésitez pas. Oui, dans les montagnes du Nord, les montagnes interdites. L'Air 13 s'arrête par ici. J'ai dû faire le retour pour pouvoir vous prévenir. Donc, demain, sachez-le, nous avons rendez-vous pour toutes les personnes qui veulent aider à aller récupérer Porpentina et nos cherches orchestra. Rendez-vous à 20h demain soir en salle de cours. Nous irons les délivrer tous ensemble. Donc toute l'aide est la bienvenue. Vous partirez évidemment avec nous, professeur Synermune et moi-même. Donc nous espérons que vous pourrez nous apporter votre aide. Mais en attendant, le professeur Flo est parti dégager le chemin pour que nous puissions passer à plusieurs, parce qu'une personne, ça va, c'était facile. Mais comme vous pouvez le voir, nous allons devoir traverser le pays de Flo&Co, le pays des nerds. Et donc il est parti faire en sorte pour que l'entrée, le passage soit plus simple pour demain. Donc il n'est pas là ce matin, ni hier, il a dû partir en catastrophe après son cours une fois que j'ai pu rentrer. Mais il sera là cet après-midi, ne vous inquiétez pas pour la coupe des trois fées. Ça sera un bon entraînement d'ailleurs, oui. La coupe des trois fées, pour faire marcher vos baguettes magiques pendant Power Watch. C'est vrai. Et d'ailleurs... En cas de bataille demain, au risque, si jamais nous rencontrons la Dogosphère, au moins vous serez entraînés cet après-midi. Donc prenez ça en plus de la coupe des trois fées comme un entraînement pour demain. Voilà. J'aurais pas mieux dit. Bonjour. Et bonjour tout le monde. D'ailleurs, puisque, chers collègues, vous parlez de la coupe des trois fées, donc petit point. Alors, du coup, je ne vous cache pas que pour tous ceux qui ont gagné des points au cours de cuisine magique, donc le professeur Flutwick n'a pas eu le temps, puisque vous vous en doutez, parce qu'il a dû partir en urgence, comme l'a dit le professeur McLeogal. Il n'a pas eu le temps de mettre à jour. Moi, ce que je peux vous montrer. Ce qu'il va le faire, hein, cet après-midi en revenant, hein, c'est la coupe, bien évidemment, est maintenue, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Oups, voilà. Ça, c'était le programme. Donc, voilà où en étaient les points de la coupe des trois fées avant le cours du professeur Flutwick de vendredi. Donc, on peut constater que les Capapa Noël et les Pogoms de neige à ce moment-là étaient au coude à coude, enfin étaient ex aequo, suivis de pas loin par les Leltins. Voilà, donc vous aurez le score mis à jour avant la coupe, avant l'épreuve de cet après-midi de Power Watch, et puis ensuite évidemment les points qui seront remportés pendant l'épreuve de Power Watch. Mais voilà, je tenais à faire ce petit point. Néanmoins, permet de montrer que la compétition a démarré de façon assez serrée, hein, quand même. Oui, rien n'est fait, puisqu'il reste la compétition cet après-midi, puis celle de la semaine prochaine, et toutes les compétitions en groupe. Apparemment, votre micro grésillerait, chers collègues, je n'ai pas cette impression. Je crois que, normalement, j'ai dû baisser un petit peu le gain, ça devrait... Je vais baisser un peu votre entrée sur le live, peut-être que ça pose problème. Est-ce que c'est mieux ? Non, c'est mieux, ils ont l'air d'apprécier mieux. D'accord. Oui, j'ai dû parler avec des personnes un petit peu sourdes d'oreilles au cours de ma semaine. J'ai dû changer les réglages. Ah, je vois. Mais donc, il reste cet après-midi pour la coupe des maisons. Puis la semaine prochaine, qui sera la dernière épreuve en équipe. Mais vous avez à côté de ça, jusqu'au 30 décembre, la possibilité de participer aux projets de groupe, qui sont les Sorts Sims, la chorale et le Secret Santa, qui est clôturé actuellement, mais il faut que vous puissiez... rendre vos secrets Santa à votre Santa secret, je ne sais plus dans quel sens on doit les dire. Et jusqu'ici. Et vous avez les cours et les devoirs.
Donc rien n'est joué sur la coupe des trois fées. Il reste encore la possibilité de remonter. Et oui, une scolarité chargée, chargée pour vous, chers élèves. Et on se demande si un jour on arrivera à faire une année scolaire normale sans être embêté par la dogosphère. Malheureusement, c'est pas encore pour cette année. Mais nous verrons. En tout cas, j'en ris, mais je sais pouvoir compter sur vous, chers élèves. Vous l'avez prouvé à maintes reprises. Tout à fait, tout à fait. L'école est bien gardée avec vous, notamment. Apprenez vos sorts, exactement, ça serait bien. Bah, ceci dit, les cours de sortilège pour les premières années n'est pas encore passé. Mais je crois que vous avez été un petit peu aidé par les deuxième et troisième années. Tout à fait. Donc vous avez peut-être déjà un petit peu expérimenté. Mais les cours de sortilège arrivent très très bientôt. Nos premières années ont été particulièrement bien accueillies, je trouve. C'est appréciable et ça fait plaisir à voir. Nos rituels tiennent toujours. Et le premier d'entre eux, c'est les trois mots de la semaine. Et on a le premier, si je ne dis pas de bêtises, qui est Gwenelf. Qui nous a donné ces trois mots de la semaine. Froid. En deuxième, pluie-soleil. C'est sympa comme nouveau mot. Et... C'est un puits dans lequel il y a un soleil ? Non, pluie-soleil. Pluie-soleil. Il a fait une sorte de combinaison de météo. Très bien. Et en troisième, course, préparation de voyage. Oh ! Très intéressant. Voyage pour demain soir, hein. Ouais, je pense que... il nous parlait de ça, bien sûr. Évidemment, évidemment. On a Dorian. Dorian qui nous donne ses trois mots de la semaine. Standard, le standard c'est cool, car Dorian, je me suis laissé dire, avait trouvé un boulot moldu en tant que standardiste. Et donc c'est très bien si ça te plaît. Fête, parce que c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Oui, au cas où ce soit pas assez apparent avec tout ce qu'on fait, oui. Oui, n'oubliez pas que le travail des fées, c'est justement d'apporter les fêtes de fin d'année. Hein. C'est ça. C'est notre travail à tous d'ailleurs de faire en sorte que les fêtes se passent et se passent bien. C'est ça. Voilà. Sachez que on sait très bien que la dogosphère veut empêcher les fêtes de fin d'année, mais général, si on arrive à tenir bon, ça se passe. Ils ont jamais réussi jusqu'à présent. Il y a pas de raison qu'ils réussissent. De toute façon, on est là, vous êtes là. Bring it on. Ils essayent. Comment dire. On a le troisième mot du coup de Dorian qui est film. Ils ont bientôt fini leur mini-film avec son foyer. Eh ben écoute, Dorian, c'est cool. Alors, sans sens d'obligation, bien sûr, et je ne sais pas si c'est même possible, et, parce qu'il y a des gens. Je pense, j'allais dire une bêtise, mais je pense qu'il y aura des droits à l'image, donc je pense pas qu'il pourra nous le montrer en fait. Mais en tout cas, c'est cool si le projet se. Enfin, je sais pas à qui vous avez le droit, si c'est censé rester interne ou si vous pourrez le montrer publiquement à n'importe qui, mais. Enfin, non pas qu'on soit n'importe qui, mais voilà. En tout cas, voilà, j'ai hâte de le voir si jamais c'est ce qui est prévu. Oui, on a hâte d'avoir plus d'informations une fois fini. Oui. On a. Lily Suzy qui nous donne aussi ses trois mots de la semaine. Donc, voiture, quelques trucs à faire avant le contrôle technique. Ça, c'est un grand classique. Hein. De toute façon, vaut mieux faire avant qu'après, parce qu'après, il faut repasser au contrôle. Donc, l'un dans l'autre, vaut mieux le faire avant. Plus, elle va être interdite dans ma ville dès janvier. Mais je peux avoir une dérogation parce que je suis une MVP trop géniale. Alors, c'est ça, vous voyez le pouvoir de l'after par Twitch. C'est-à-dire qu'il y a la loi française, notamment, en l'occurrence, avec les réglementations en vigueur, et puis il y a les passe-droits pour les MVP, voilà. On vous dit que ça vaut le coup, hein. Venez vous battre le 6 janvier, hein, pour récupérer le rôle. Le 6 janvier, si vous avez une voiture un peu ancienne, si vous avez des PV à faire sauter, venez concourir, hein, n'est-ce pas. Attention, cette déclaration pourrait être non contractuelle. Patrick Balkany, c'était exactement le premier pépé de la paix. On a impatience comme deuxième mot à lui suffit. T'as vu comment j'arrive à garder le fil, hein. Mine de rien, je veux pas me jeter de l'eau. Impatience, donc, parce que son chéri arrive bientôt, et ça, c'est beau. Et ça, c'est cool.
Et magie, en troisième, parce que l'école de magie prend un peu de temps dans ma vie en ce moment. D'où le fait que vous méritiez vos privilèges de MVP, très cher Lily Suzy. Même si ce titre n'a pas été gagné dans le cadre de l'école de magie, néanmoins, il est bien porté, n'est-ce pas? Tout à fait. On a Alixal qui nous donne ses trois mots de la semaine. Fatigue. Le travail, c'est à bout, on en viendra tous à bout. Ça me va. Copain, les copains, c'est pas tabou, on n'en viendra pas à bout, c'est mieux. Ça, c'est mieux aussi. Et crève, parce que le froid, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Évidemment, c'est... Le tabac. Oui, le tabac, c'est tabou aussi. Oui, c'est parce que c'est la ref de base, en fait. Oui. Mais du coup, ouais, bah, Alexel, c'est bien. J'espère que votre fonction copier-coller fonctionne bien. C'est ce que j'ai à vous dire. Et prenez soin de vous, cher Alexel. On a Alex Easton qui nous dit GTA, parce qu'évidemment, grosse hype pour sa licence préférée qui revient. Tiens donc, sa licence préférée, carrément. Et bah, c'est une préférence que je ne partage pas, a priori, mais je comprends. Les jeux sont bien faits. Je trouve que c'est un peu de la merde, mais je me permettrai pas de dire. Non, pas de la merde, pas de la merde, mais très honnêtement, c'est... jouer à faire le trafiquant de drogue, ce genre de choses, moi, ça m'amuse pas très longtemps. Mais après, il faut reconnaître que c'est bien fait. Et c'est vrai que le trailer là, du dernier, là, du 6, ça a l'air quand même d'être assez cool. Même si c'est pas ma cam, pas ma tasse de thé, ça a l'air quand même bien. Cuisine, parce qu'il est content de sa recette de bœuf bourguignon. Il faut pas hésiter à partager quand vous avez des trucs comme ça. Il faut pas garder pour vous. On a un channel Miam dans les discussions forum sur le serveur Discord. Il faut pas hésiter à balancer et rire parce qu'il a testé Lethal Company avec j'ai pas la ref, je connais pas, avec les potes et c'est vraiment super fun. Qu'est-ce que donc, est-ce un jeu de société, est-ce un jeu vidéo? N'hésite pas à nous donner plus d'informations. Avec les potes, ils se sont tous l'étalés. Ils ont l'étalé du Nutella sur des tucs, en hommage à la peau. Et du coup, c'était très, 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 très drôle entre postes. C'est un coop horreur. D'accord. Faudra acheter un coup d'œil si c'est bon. Ah, et il est pas si cher sur Steam. J'avoue qu'il y a un petit côté qui pourrait être très sympa. Il est à combien? On va appeler Luna pour qu'elle nous montre le trailer en urgence. Non, mais je vais garder un œil dessus. Si c'est horreur, j'irai voir ça. Et oui, Let's Be, c'était une référence Tupnut. Vous savez que notre joke... j'ai parlé du Tupnut avec ma chérie il n'y a pas si longtemps. Et elle m'a dit, mais moi, de toute façon, si tu fais ça, c'est que tu veux me tuer. En fait, il faut savoir qu'elle est allergique aux arachides, ma chérie. Donc, et les tucs, enfin, les tucs, ça passe. Mais le Nutella, bah... En fait, il faut savoir que ma chérie ne sait pas quel goût toutes a le Nutella. Noix. Mais elle ne sait pas quel goût a le Nutella. En fait, c'est très triste quand j'y pense. On a eu cette conversation il n'y a pas longtemps. Mais en fait, je lui ai dit, mais tu sais même pas le goût que ça. En fait, on n'a jamais mangé. Bah non. Voilà. Et bah, elle peut mettre des pâtes au chocolat. Elle peut mettre du chocolat sur le tuc-nut sans la noisette, quoi. Il existe peut-être d'ailleurs des... Parce qu'on dit Nutella, mais il y a plein d'autres pâtes à tartiner qui sont équivalentes. Mais peut-être qu'il en existe sans noix. J'imagine que ça doit exister. Voilà. Oh tout. Oui, je pense. Il va falloir regarder ça. Let's Be, la fée Let's Be nous donne ces trois mots. Gourmandise pour fêter son CDI et ses fiançailles. Ça, c'est vrai que tu fêtes pas maintenant. Je sais pas très bien quand tu vas fêter, Let's Be. Entre le mariage qui s'annonce et le travail, bon. Bravo. On crée plus le petit bout, comme on dit. Félicitations pour toutes ces bonnes nouvelles. C'est ça. On a froid parce que les températures baissent drastiquement. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est ce matin, je ne suis pas encore sorti dehors. Mais moi, je trouve qu'il fait plus doux qu'il n'a fait, au contraire, ces derniers jours. Alors, peut-être que là, c'est pas le cas. Et peut-être que dans d'autres régions que celles où j'habite, c'est pas le cas. Moi, j'avoue qu'en Normandie, ces derniers jours, on tournait autour de 5-6 degrés. Alors qu'on était à moins 4, moins 5, il y a encore pas si longtemps. En fait, on a gagné 9 degrés, quoi. Comme je vous dis, j'étais à la montagne, sous les montagnes, sous les talus de neige. Donc, je n'ai pas trouvé que ça s'était raturci ces derniers temps. J'imagine.
En fait, ça doit dépendre. Nous, en Normandie, je suis encore peut-être plus proche de la mer que d'autres, donc ça joue sur le climat, effectivement. On a amour pour terminer les mots de Let's Be, parce que elle aime beaucoup Abigor. Je crois que c'est un rapport avec son fiançailles, mais chut. Je crois que j'ai un esprit de déduction assez développé. Poussé, c'est assez impressionnant. On n'est pas professeur de défense contre les forces du mal, pour rien. Voilà. Sachez-le. Je le dis, c'est comme ça. Et on souhaite la bienvenue à Psychrème qui revient du boulanger. Et effectivement, ça va. Il revient de la boulangerie, parce que revient du boulanger, c'est différent. Je crois. Bah après, il peut passer aussi un bon moment avec le boulanger. Hein. Tout à fait. Ils se sont racontés leur meilleur joke de papa. On vous rappelle que c'est cantonné au mardi soir sur le Multitsen. J'attendais. Alors apparemment, les jokes de papa à l'after par Twitch, c'est le mardi sur mes lives. Voilà, sachez-le. Au brunch, je crois que ça va être compliqué. Ça va dépendre, hein. Ça dépendra de qui j'aurai avec moi, je pense. Voilà. Mais ouais. Oui, donc apparemment, notre chère Lily Suzy vous indique que vous êtes passé, très cher collègue, très proche de chez elle et de chez Roxane. Ah bah oui, je suis passé. Puis je suis passé près de plein de personnes en fait, puisque il a fallu passer par Grenoble, Lyon, Villefranche, Dijon, pour aller jusqu'aux Alpes. J'ai vraiment fait cette blague, oui. Oui. Mais on avait dit mardi soir. Hein. Le cringe est en train de monter chez cette personne. Bien, professeur McLeod. Vous avez trois mots de la semaine, j'imagine. Oui, totalement. Bien, montagne. oui, j'ai passé quelques jours à la montagne. Vous avez quelques images de mes exploits. c'était ressourçant, mais en même temps fatigant parce que c'était pas des vacances. Je vous vois là au fond de la salle en train de dire c'est bon quand on part c'est des vacances. Non, j'ai travaillé à la montagne. Voilà, c'est l'avantage du télétravail. Et en même temps, c'était très agréable. Surtout qu'il a beaucoup neigé, donc un vrai plaisir. Deuxième mot pour moi, ça va être contracture, je pense. Oh. Et coucou de règle. Parce que j'ai fait du ski pendant mes pauses. j'ai fait du ski et je me suis cassé la gueule royalement puisque j'ai un niveau de ski qui est pas mauvais, mais j'ai peur des boss et je me suis dit tiens, il y a des boss, let's go affronter ma peur parce que on est une aventurière ou on n'en est pas une. C'est la phrase que tu dis avant le drame, ça. Allons-y, allons ça. Exactement, allons affronter ses peurs. et j'ai peut-être pas pris les meilleures conditions pour pouvoir dépasser ses peurs, puisque j'y suis allée à un moment où mon masque était pas mal embué. Pour ceux qui n'ont jamais fait de ski, vous portez un masque qui protège de la neige, du vent, du froid, etc. Et là, il était assez embué parce que mauvaise circulation de l'air. Et j'avais mal compris la topographie du terrain. donc j'ai pris la bosse plutôt que je ne le pensais. Et c'est mes sensations qui m'ont dit que j'étais en train de voler. Attends une minute, le sol n'est plus palpable sous mes skis. Mais c'est-à-dire que... Bref, et donc je n'ai pas bien réagi puisque je n'ai pas l'habitude de voler sur mes skis. Au lieu de relever mes skis pour pouvoir tomber sur le plat, je les ai laissés pendouillants. Et donc je me suis plantée dans la neige au moment de retomber. Alors ça a été très drôle parce que les skis sont déchaussés. Et après j'ai fait un vol plané, je suis tombée tête la première et puis j'ai glissé sur la pente. Alors j'avais un casque.
donc c'est pas très grave. Mais j'ai eu deux marques de casque là sur le front pendant quelques jours. Et je ne pouvais pas bouger le cou pendant deux jours, mais jeudi c'était revenu. Ah oui, quand même. Voilà, donc j'ai évité l'entorse cervicale. Moi, j'ai rien. J'ai une question, mais c'est plus une question sur le chat. Une question à méditer. Sommes-nous de mauvaises personnes si nous déplorons le fait qu'il n'y ait pas de vidéo de cet événement? Je vous laisse réfléchir à la question. Sommes-nous de mauvaises personnes? Moi, je dirais non parce que le professeur McLaguel va bien. Mais c'est, voilà, c'est à discuter. Oui. J'avoue qu'en rentrant, j'ai appelé Drew, j'ai dit... Oui, bon, Drew, il faut savoir que Drew est kiné, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai fait, du coup, je me suis plantée tête la première dans la neige. Alors, on a de la chance, il y avait beaucoup de neige, donc c'était un peu mou, hein, c'était pas de la glace. Enfin, je pense que de la glace, ça aurait été pas le même délire. Ah oui, il y a des chances. Mais je lui ai dit, voyez, j'ai un peu mal au cou, machin, etc. Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose, des étirements, des trucs, des machins? Il m'a dit... Bah d'abord on va tester parce que peut-être tu t'es fait une entorse cervicale et peut-être il faut plus jamais que tu remontes sur des skis cette semaine. Et j'étais là, quoi? Donc il a donné les mouvements de test à mon ami qui était avec moi, parce que je suis partie avec une amie et pas avec mon chéri. Et il s'est trouvé que non, je ne m'étais pas fait une entorse cervicale, j'avais juste par le choc contracté mes muscles et donc il fallait un peu de temps pour qu'ils se détendent. Je pense que c'est le corps qui contracte pour justement éviter de prendre trop cher, je pense. Oui, oui, c'est le réflexe naturel. Et sachant que j'avais déjà fait des entorses cervicales au ski il y a quelques années, enfin quand j'étais jeune, et je peux vous dire que c'est pas très très drôle. De se balader pendant 2-3 semaines avec une minerve. Mais donc tout va bien. C'est ça d'être une casse-cou. Tout va bien. Voilà. Donc je réessayerai un jour les bosses, mais bon, ça a quand même terminé le côté ski pour moi. Mais du coup. Ce truc-là, parce que je pouvais pas facilement tourner vite la tête. J'avais les contractures. Du coup, voilà. T'as pas reskié, du coup, après Alors tout de suite après, si. Parce qu'il faut pas terminer là-dessus. Je suis remontée et j'ai refait la même piste où il y avait les boss, mais cette fois, je les ai pris plus doucement. D'accord. Comme je dis, on est une aventurière ou on ne l'est pas. Et cette fois, j'ai pris une vidéo pour vous montrer la boss, en disant que je m'étais cassé la gueule à ce moment-là, que je passerai plus tard. Du coup, puisque tu as reski, on peut dire que cette boss n'était pas le boss de fin. On avait dit mardi. Je vais arrêter de faire des brunchs avec toi. Ça va être vite vu. Ça fait deux mots ou trois mots, je ne sais plus. Ça fait deux mots. Ouais. Ça fait deux mots. Et en fait, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais le dernier que je vais mettre... Eh ben, je vais vous parler de All People. Alors, All People, c'est le travail. C'est mon travail. C'est l'entreprise et l'association que je suis en train de créer avec ma famille et qui a pour but, en fait, de sauvegarder les mémoires des gens et de pouvoir les transmettre de génération en génération. Si on devait faire un grand comparatif, ça serait un Wikipédia des personnes, mais pas à l'écrit, ça serait tout média confondu. Donc, on est en train de monter tout ça depuis maintenant un an et demi, deux ans. Ça fait beaucoup plus longtemps que l'idée est là, mais ça fait vraiment un an et demi qu'on bosse dessus. Et il y a plein de défis au fait de monter un projet comme celui-là, notamment avec le côté associatif. Et l'application, le développement a commencé cette semaine. C'est un gros pas pour nous, c'est-à-dire que l'application va sortir début 2024, dans lesquels n'importe qui pourra déposer ses mémoires. Et en même temps, on est en train de tester de notre côté, côté associatif, vraiment comment accompagner les personnes qui ont du mal avec le numérique pour pouvoir déposer justement ces moments ou ces expériences de vie précieuses.
Donc là, avec le petit groupe qu'on a appelé nos ambassadeurs, qui sont là pour nous aider dès le début, on est en train de lancer tout ça. Et c'était un gros morceau, parce que ça demandait énormément de travail, pas mal de préparation pour pouvoir faire en sorte que l'expérience soit une réussite. Et donc j'espère pouvoir vous en parler plus en 2024, début 2024, parce que pour l'instant tout est encore un peu en partie en partie un peu fermée. Voilà, mais dès 2024, vous pourrez aussi accéder au site, voir un petit peu quels étaient les résultats de l'expérience. Enfin, il y a pas mal de choses qui vont arriver, et notamment le début des réseaux sociaux, aussi de la communication autour de All People. J'ai un peu du mal à en parler parce que ça fait la promotion du travail que je suis en train de faire, et en même temps, je me dis, si je le fais pas, ça va être compliqué que les gens en parlent. Voilà, c'est un projet qui me tient énormément à cœur, les histoires personnelles et notamment les histoires familiales. Voilà, donc j'ai hâte de vous montrer ça en 2024. Et c'était un gros pas cette semaine qui vient d'être franchi. Sachant que pour l'instant, on n'a réussi à avoir aucune... Pour l'instant, on n'a pas réussi à avoir de subvention ou de prêt, de machin. Donc c'est que tout est développé sur notre argent personnel. Voilà. C'est dommage. Donc, on est très content que ça avance. Oui, mais c'est un peu dur. Enfin, de toute façon, en fait, si vous montez des projets, il y a différents aspects qui fait qu'on peut vous soutenir et vous avancer. Alors, il faut trouver des gens qui croient au projet. Mais en termes des structures, soit la technologie, on va dire, les intéresse énormément, parce que c'est un bond en avant et donc ils sont contents de l'accompagner. Soit on va dire que de l'autre côté, ils attendent que les gens de voir si ça intéresse vraiment les gens pour vous soutenir. Et nous, dans ils estiment que la technologie n'est pas assez poussée. Ça les regarde. Donc ils attendent de voir si les gens sont intéressés par le projet pour pouvoir aider au développement. Il y a quand même pas mal de structures en France qui permettent de développer des entreprises ou des startups ou des idées. Mais ils ne s'engagent pas sur rien. Là, je ne parle pas du côté investisseur, je parle vraiment côté subvention, aide de l'État ou des trucs comme ça. Et même là, ils attendent un certain engouement avant d'aider. Voilà, c'est un beau projet. Bah écoute, merci, j'espère qu'il parlera à plein de personnes. Et que là, l'idée, c'est de réfléchir à vraiment ce que vous voulez laisser de vous pour que ça puisse perdurer. Sur votre image numérique. Je vais dire peut-être une énorme connerie, mais vous avez pensé à, je sais pas si c'est possible, mais à un Kickstarter, Ulule, que sais-je, quoi. Oui, si, il y a toute une campagne de dons qui va être prévue, mais ça, c'est courant 2024, pas au début. En fait, c'est difficile de mettre les gens dans l'envie sans qu'il y ait un peu de palpable ou un peu de compréhensible. Oui. Et c'est un peu le travail qu'on fait ce mois-ci avec nos ambassadeurs. C'est-à-dire que là, ils vont créer des expériences avec des personnes qu'ils vont trouver. Et le site sert un petit peu de phase de bêta. C'est-à-dire que là, actuellement, il y a quelques expériences qui sont dessus. Mais le but, c'est d'enrichir cette partie, on va dire, d'expérience pour que les gens puissent naviguer à travers des souvenirs ou des moments marquants des personnes. Et ça permettra aussi au plus tard, quand on fera des campagnes, en tout cas si l'application n'est pas encore sortie ou si on sort, les gens pourront se projeter dedans, dans l'idée de ce qui est le travail de l'association. Ok. Voilà, donc tant qu'on n'a pas un petit peu ça, on a remarqué au fur et à mesure, à force d'en parler, à force de faire, que les gens avaient du mal à se projeter s'il n'y avait pas un peu de support. Et c'est pas du tout incompréhensible, c'est juste, faut pouvoir présenter un petit peu pour qu'après les gens puissent se projeter. Je suis d'accord. Bon, désolé, on pourra pas faire de carita Twitch dessus parce que ça fait conflit d'intérêts. Enfin, ça fait favoritisme. Et puis, c'est pas caritatif. Pourquoi mais on pourrait pas faire de carita dessus? Je sais What pas. What the fuck, là-haut? C'est une association. Oui, c'est pas faux. Et qui, en plus, se bat contre l'isolement des personnes âgées. Non, du coup, en y réfléchissant, peut-être que ça peut le faire, effectivement. Bon. En tout cas, on n'est pas encore en train de faire le carité Twitch. Hein. Je vous le dis tout de suite, les gens. On ne peut pas tout faire en même temps. Le projet est beau. Après, moi, je ferai quand même remarquer aux gens. Je sais que nous, on l'a dit plein de fois, mais les gens,
All People. C'est quoi les initiales de All People? Moi, ça me fait rire. C'est... hein? C'est... Il y a comme un... Il y a comme une... quelque chose. C'est... Moi, j'ai dit très bien, je ne travaille que sur des projets dont les initiales sont AP, hein, c'est tout. Vous voulez m'embarquer sur un truc? Non, mais tu sais que c'est très drôle parce qu'au boulot, au collège, l'AP, c'est de l'accompagnement personnalisé. Il y a des AED, assistantes pédagogiques, qui tiennent des heures d'AP, du coup, pour des élèves en difficulté. Et au conseil de classe, moi, c'était très, très drôle. Ils sortent des phrases genre... oui, donc peut-être que Steve, on peut lui proposer d'aller à la paix et tout. Moi, j'étais là en mode, dans ma tête, en mode, bah attends, on le connaît pas et tout, on va pas l'intégrer à l'équipe. C'est très drôle. Ouais, il m'en faut pas beaucoup pour m'amuser. Hein. C'est quand vous êtes en conseil de classe, vous vous raccrochez aux choses. Parce que ça peut être des fois un peu fastidieux. Et coucou, Tumnus. Hello, Tumnus. Comment ça va? Ah, c'est très drôle. Après, l'After Partouche s'appelle l'After Partouche. Ça aurait très bien pu s'appeler autrement. Hein. Je vous raconte pas les dingueries qu'on a eues dans les propositions quand on cherchait un nom. C'est pas utile qu'on revienne dessus, mais je vous dis qu'il y avait des trucs. After Partouche, c'est a priori le mieux, c'est celui qu'on a choisi, mais il y en avait d'autres, hein. N'est-ce pas? Il y avait plein d'autres, ça a été gardé c'est quelque part sur en archive. Ça aurait pu ça être ça... Coloco Twitch, ça, on y a pensé. Ça a failli s'appeler Coloco Twitch. Et oui. Bon, j'espère que ça va bien. Le brunch avec 50 élèves de... Oh, au secours. Oula, on a un pavé de mots de la semaine de la part de Drake. Sommeil, si vous le trouvez, merci de le ramener. J'ai pas cherché, mais d'accord. Sauvetage. Il a ouï dire qu'une expédition... Alors, c'est pas une expédition punitive, parce qu'on sait... C'est du sauvetage, c'est tout à fait. C'est une expédition de sauvetage, et c'est demain 20h. N'hésitez pas à venir, d'ailleurs. Pour aider les professeurs McGonagall et Hermione à aller braver les montagnes interdites et essayer de retrouver Arwenia, Porpentina Goldstein et les élèves Smorkestra qui ont disparu aussi. Hein. N'oublions pas qu'ils sont quelques-uns à avoir disparu quand même. Merci de nous le rappeler. Amour, puisqu'Arwenia et Drake sont de nouveau ensemble et on vous souhaite le meilleur, bien sûr, bien sûr. Et ça fait 3 mots, effectivement. Merci, Drake, pour ça. Hop. Et oui, bah bienvenue, Tumnus, dans les dimanches sur les brunchs. Ouais. Comme on les connaît pas, les Smorkestra, on sait pas qui a disparu. Et bah, ça sera le moment de rencontrer et de passer un peu plus de temps avec nos chers élèves Smorkestra. C'est ça. C'est exactement ça. Demain. Alors, oui, vos 3 mots, cher professeur. J'étais en train de me dire, je ne l'ai pas fait. Ok, alors mes 3 mots, j'ai absolument pas réfléchi, ça va être bien. En premier, je vais dire rush, un peu, parce que rush de Noël. En fait, j'étais en mode très tranquille, on est début décembre et tout, puis après j'ai réalisé que j'étais en vacances le 22, donc je peux pas attendre les vacances, donc là, je suis en train de regarder un peu tout ça de façon très active. Et puis, j'ai ouï dire aussi dans mon oreillette spéciale de la paix que j'ai un cadeau aussi, un Secret Santa à commander aussi. Puisque nous faisons un Secret Santa entre autres, parce que c'est une tradition qu'elle est bien, quand même. Et voilà. Et donc, oui, voilà. On a tous des Secret Santa à la paix. Trop, trop cool. D'ailleurs, moi, j'ai trouvé mon cadeau. Mais j'attends un peu, parce que sinon, c'est trop... Ouais, faut pas l'envoyer trop tôt. Je pense qu'il faut trouver le bon moment, c'est ça. Exactement. Mais ouais, c'est très très cool. Donc c'était le mot rush. En deuxième, je vais dire crossover. J'explique brièvement pourquoi. Je suis sur quelques projets, comme souvent. J'aime bien faire des projets. Hein. Par exemple, le projet Smaragd Deal qui est toujours en cours. Là, on est potentiellement sur un projet crossover avec Dragon d'Emeraude et Backbone. C'est-à-dire qu'c'est improbable. On cherchait des endroits où... Enfin, on cherchait à organiser un espèce de petit festival de musique sur là où on habite, sur Argentan.
Et il y a mon guitariste qui fait « Pourquoi tu ne demandes pas à ton asso de faire un événement combiné ?» On a vu plusieurs trucs, il y a moyen de faire des choses. Si Petit Crâne est sur le live, il en entend parler pour la première fois, parce qu'on en a parlé hier, j'ai pas eu le temps de parler à l'asso. Et du coup, bah, c'est un crossover. Je ne sais pas, à ce jour, comment impliquer la paix. Écoute, on va streamer ton événement, hein, et puis je pense que c'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin de plus. Ça aurait été ouf, ça aurait été ouf, ouais, d'impliquer l'after par Twitch. Ça aurait été, pour moi, ça aurait été le crossover ultime, en fait. Et voilà. Ça viendra. Ouais. Ça viendra. C'est ça serait beaucoup trop bien. Et en troisième mot, je vais dire... Je vais dire crevasse, parce que je vais pas vous montrer, enfin, si vous... vous savez, il va falloir que je mette de la crème, là, j'ai les mains qui sèchent. C'est vraiment le haut de la main, enfin, le dos de la main, en haut. Ça sèche, et du coup, ça fait des crevasses, et ça fait mal. Et alors, je cicatrise assez vite, donc ça va, mais... C'est-à-dire que quand ça cicatrise, là, j'en ai 2-3 nouvelles. C'est chiant, mais ça va, mais du coup... ouais, prenez soin de vos mains, notamment quand il fait froid, comme ça. Et je crois que j'ai trouvé la crème là qui va fonctionner. C'est du Dexeril, voilà. On n'est pas sponsorisé, mais je balance le nom. Voilà. Mettez des crèmes et buvez beaucoup d'eau pour avoir une peau hydratée. Regardez, j'ai des bobos, un petit peu. Ah oui, mais faut prévenir, hein. Regardez. Ah, c'est un peu pénible. Mais j'en avais plein, j'avais la main qui était constellée, mais là c'est mieux déjà. Si seulement on était des magiciens, on aurait peut-être des sorts de guérison, des choses comme ça. Oh wait. Oh wait, on en a, mais bon. Après, est-ce qu'il marche IRL ? Chut, chut, chut. Bon, voilà. Le RP, le quatrième mur, bordel. Voilà, je crois que c'était trois mots. On a Tunus qui nous donne ces trois mots. Punition, fatigue et challenge. Et on a... Malheureusement, ce n'est pas tombé sur Hudson. Ah, mais ouais, mais du coup, c'est gentil, Dorian. C'est très gentil. On nous a fait un petit hihi. T'es fait. Bah, c'est bon pour les trois mots. Du coup, je... Merci de votre partage. Punition, fatigue et challenge, c'est très... Ouais, si tu veux expliquer, tu peux. On va passer alors, à la suite. Une semaine intéressante, quoi. En fait, il y a des mots, on peut imaginer. Mais en fait, des fois, je trouve ça bien que... Des fois on leur dit, si vous voulez, vous pouvez expliquer. Ils disent pas. Mais des fois, je trouve ça bien, parce que tu sais, tu peux te faire ton film, en fait. C'est... Exactement. tu mets ce que tu veux. Et on sait que... coucou, Lady Lily Flynn. Petit coucou avant de retourner à tes gâteaux. Eh bien, pour l'info, Lady, n'oubliez... Enfin, puisque tu passes par ici, je te la donne dès maintenant. Demain soir, nous allons sauver Arwenia et les Smorkestra de leur enlèvement à 20h avec le professeur Sinermion. Ne ratez pas ce cours sauvetage. / sauvetage. Demain soir, évidemment. Rendez-vous. Et bon gâteau, du coup, Lily Flynn. Ouais, merci à toi d'être passé faire coucou et... à cet après-midi, je crois. Il y a une compétition cet après-midi, hein, n'est-ce pas ? Ah oui, c'est vrai, il y a une compétition. C'est 14h, c'est ça ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. On vous tient au courant sur... à l'école de magie. C'est ça. Il veut tuer des gens. Drake, il a son épée et son bouclier, lui. Ouais. Alors, on a une explication de la part de Tumus. Punition. C'est une période où on doit punir Mini Tum Tum tous les jours. Alors, elle a quel âge, d'ailleurs, si c'est pas indiscret. On a... Elle est pré-ado. Ah, oui. D'où le deuxième mot, fatigue. Épuisé par les crises de pré-ado. En effet, tu veux une info, lis jusqu'au bout. Merci de cette leçon, professeur McLaughlin. Et challenge, parce que 3 challenges sim à faire pour décembre. Ah oui, quand on est sur plusieurs en même temps, j'imagine que... Bon, moi je parle pas d'expérience, parce que des challenges sim, j'en ai pas fait des masses dans ma vie. Mais oui, effectivement, quand on voit l'investissement que ça demande, blague à part, hein, pour avoir vu faire ça dans la commu et à côté, bah ouais, c'est 3 en même temps, bah t'as la foi, Tumus. C'est bien, on peut pas t'enlever ça. Et elle a 10 ans précisément, d'accord. Bien. Oui,
On pense que le professeur Flitwick sera en pleine forme tout à l'heure de son retour de préparation. Bah, il sera forcément, il aura le voyage derrière lui. Et, mais bon, il aura dégagé le chemin pour demain. Mais en tout cas, oui, oui, il sera là, vous en faites pas. Bien. Je propose qu'on aille jeter un œil du côté des clips. Est-ce que c'est une riche idée ou pas? Oui, alors... oui, voyons ce qui s'est légèrement passé cette semaine. Enfin, depuis la semaine dernière. Hop. Exactement. Alors, je suis moins bien préparé que la semaine dernière. C'est une honte. Et oui, n'oubliez pas que vous avez un challenge Sims avec votre maison. C'est un challenge de groupe où il va falloir que vous, côté AP, vous devez redécorer la maison, salle commune des Smorchestra qui a bien besoin de votre aide. La coquille est disponible sur la galerie. Maintenant. Enfin, depuis cette semaine. Désolé pour le petit problème. Quelqu'un avait volé les plans. Volé les plans. Et donc, nous avons pu les remettre que cette semaine. Eh oui. Bon, c'est comme ça. Hop, est-ce que j'ai la bonne capture? Dreg et Alexis Stone qui veulent vraiment tout faire péter. Vous savez que là, on va sur des terres... qui sont vraiment pas les nôtres, hein. Genre, on va pas faire les malins. Alors, pourquoi j'ai une difficulté à faire cette capture? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'aimes pas ma capture? Par contre... Ne lance pas le clip. Ah là, mon dieu, sonnez, j'arrive. Juste pour dire, côté Tumnus, et pas du tout pour te dire « vas-y, faut le faire », mais c'est des moments de groupe, donc n'hésitez pas, chaque maison s'organise un petit peu comme elle l'entend, mais la plupart du temps, c'est juste un moment à partager, à donner aussi ses idées. Il y a une personne qui stream pour les autres et qui fait, et c'est le moment de donner un peu son avis, et pas obligé de rester jusqu'au bout, ou entièrement, ou pas, enfin, pas obligé de venir aussi à chaque session de création. Vous pouvez venir qu'à qu'une pour donner quelques idées et puis repartir. Bah voilà, c'est comme c'est une création de groupe, il n'y a pas d'obligation d'être tout le temps là, j'imagine. Mais les discussions se font dans chaque maison. Oui, tout à fait. Moi, j'ai un petit souci technique qui fait que je ne comprends pas pourquoi ma capture ne s'affiche pas. Hop. Parlant de Sims, chez nous, les Leltins, c'était un peu compliqué. Non, par contre... Mais... Et ben, vous avez jusqu'au 30 décembre, pour, il reste encore 20 jours pour trouver une solution. Oui. Toutes les maisons font face au même défi. Donc après, c'est de l'organisation de groupe. C'est exactement ça. Je crois que je vais refaire ma source. Excusez-moi. C'est les aléas. On veut dire qu'on... Les aléas... on a volé les souvenirs. Je ne sais pas. C'est l'anniversaire de Gwen aujourd'hui. Bah tiens, pendant que vous êtes en train de chercher, nous pouvons chanter. N'hésitez joyeux pas. Anniversaire, Gwen, en tout cas. Hop. Oui. Happy birthday to you. C'est incroyable. Je suis ému. Ah bah, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, impressionnant. Et une année de plus pour notre chère Gwen. Mais Bah, on peut l'afficher en plein écran, en vrai, je suis en train de l'afficher. Ouais, nous, on sert à rien, hein, en vrai. Alors! Ce clip est un clip de Cinemon sur Baldur's Gate 3 et je l'ai regardé. Ça vole haut, comme d'habitude les clips, hein, comme par hasard. Les gens clipent des choses qui volent très haut. C'est une création de personnage et je vous laisse savourer. C'est tout ce que j'ai à dire. Regardez maintenant. Par contre, injustice! Pourquoi il n'y a qu'une seule vulve et plein de pénis différents? Non, il y a deux vulves. Ah, il y a vulve B, d'accord. Bon, je vais laisser la vulve par défaut.
Voilà. Allez. Quand il peut rien, il y avait marqué par défaut. J'imagine le mec qui est en train de faire une opération chirurgicale. Oh, je vais laisser la vue par défaut. Hein. Comment ça va, Alexis Stone? Demi-draw, les demi-elfes, avec ouais un truc demi-draw qu'on a foutu, ouais, Souras demi-draw, je sais pas trop de trucs. Et en plus, elle a des ouais, avec, oui, ascendant dragon et compagnie, enfin bref, elle est plus mélangée que qu'une choucroute avec un couscous, quoi. Merci, Stan. J'aurais pas dit mieux. Quand tu Mais non, mais il y en a plein de différentes aussi, tu vois, donc... Voilà. Les créations de personnages depuis... Les créations de personnages depuis Cyberpunk, c'est un... Il y a des choses auxquelles tu pensais pas avant dans les jeux vidéo, hein. Mais voilà. Maintenant, c'est comme ça. Plus mélangé qu'une choucroute avec un couscous, c'est vrai que là, on... Mais on a un certain mélange. Mais qui êtes-vous pour juger? Peut-être qu'un couscous avec une choucroute, c'est bon. Je suis pas persuadé. J'ai pas dit que c'était mauvais. Non, mais culinairement parlant, ça doit être spécial, faut reconnaître. Et oui, nous avons le petit caméo d'Alexis Stan, bienvenue. C'est ça. Petit caméo. Et y a un deuxième clip, alors il va être rapide celui-là, je vous cache pas. C'est Alixal qui a fait ça sur mon stream de la paix. Sur le multi-sun, vous savez, c'est live où... c'est live où, comment dire, où on fait des jokes de papa. Hop. Hop, voilà. Et ça va très vite. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Je suis explosé, mais ça. Voilà, c'est tout. Faut savoir que Alixel, pour une raison qui lui appartient. Tu peux le laisser en boucle, juste pour le principe, je pense que. D'accord, un petit peu, ouais. Je suis explosé, mais ça. Je suis explosé, mais ça. Je suis explosé, mais ça. Ouais, je pense que tout le monde a compris. Merci. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que... comment je veux dire, Alixel a trouvé ça visiblement tellement drôle. Oui, parce qu'en fait, j'ai mis la scène... je me suis mis en gros plan. J'ai enlevé le jeu pour montrer... je suis fatigué. Et je l'ai dit comme ça. Et Alexal, visiblement, ça l'a fait beaucoup rire. Ça l'a fait tellement rire qu'elle a fait un clip, mais elle a aussi fait un gif. Ça a été gifé. C'est bien, c'est comme c'est très court, ça fait à la fois gif et clip, ça marche... voilà. Ça marche très, très bien, oui. C'est ça. C'est Alexal qui a fait les deux, je crois, non? Sauf erreur, c'est Alexal qui a fait le gif. Oui. Et donc, c'est bel et bien Alexal qui a créé ce clip, alors que le clip précédent chez Cinemoon était fait par Dreg. Donc, très chère équipe de modération, est-il possible de procéder au sondage qui nous permettra de déterminer lequel de ces deux clips va être clip de la semaine, et si Dreg conserve son titre Paparazzi, ou si c'est Alixal qui le reprend? Oui, c'est fait, effectivement, le temps que je finisse de raconter ma vie. N'hésitez pas à voter pour déterminer le clip de cette semaine et la Paparazzi. Voilà pour ça. Paparazzi qui est un petit rôle qui vous permet d'apparaître en haut du Discord et qui nous permet de vous remercier de vos créations de clips. Tout à fait. Je ne vais pas voter au clip de la semaine cette semaine, je laisse le soin à nos chers viewers de le faire. Des petites nouvelles des internets, cher Mr. Hudson, cette semaine ou... Bon, écoutez, ils vont bien. Je sais, on n'est pas mardi soir, je sais. Des petites nouvelles des internets, écoutez, spécifiquement, j'ai rien qui me vient à l'esprit. J'ai pas réfléchi ce matin, j'avoue, puisque
Le professeur Flutwick était censé, avant l'urgence, s'occuper de ça. Et j'avoue qu'avec toutes ces histoires d'enlèvement, je ne sais pas. Et vous, professeur McLeod, avez-vous relevé des choses? Sur Internet, alors j'étais coupée, honnêtement, à la montagne. Mais surtout, moi, ce que j'avais envie de partager, c'est que ce qui m'a coupé le plus là d'Internet en ce moment, c'est que j'ai découvert vraiment toutes les fonctionnalités là sur nos chères baguettes magiques moldues. Hein. c'est les capacités. Les téléphones, wesh. Les capacités de l'application temps d'écran qui sont dans le général. Je cherche un cadeau de Noël pour mes parents et j'ai aucune idée. Ah, c'est compliqué. Un dessin pour mettre sur le frigo avec un magnet, wesh. Un collier de pâte. un bonhomme en pâte à sel. Vraiment, si vous avez besoin d'autres idées, n'hésitez pas. On est là, hein. Alors moi, je vais vous donner tranquillement deux trucs que j'aime bien offrir à mes parents. Un bouquin de Ted Jokes. Oh oui. C'est des romans graphiques. Ou des BD un peu jolis, quoi. Voilà. Et le deuxième truc, là, que j'ai trouvé que c'était une bonne idée, mais ça demande pas mal de prépa. Je sais pas si vous avez ça avec vos proches ou votre famille, mais je pense que c'est assez commun. C'est les conversations WhatsApp. Où, globalement, tu peux donner des nouvelles, des machins, etc. J'ai décidé de faire un album photo, des photos de la conversation WhatsApp pour mes parents. Parce que mine de rien, on s'échange pas mal de petits souvenirs dessus, des photos prises sur le moment, on partage et tout. Et WhatsApp ne garde pas plus de 3 ans, je crois, ou 3 ou 4 ans, les infos. Après, ça disparaît dans les limbes. Donc, je me suis dit que c'était le moment de repasser sur 4 ans de conversation WhatsApp. Voilà. Non, ça, c'est déjà l'idée de ma sœur. Et bah, il te reste le roman graphique. Ou le collier de nouilles, ne sous-estimez pas. Et le collier de nouilles, hein. Les photos sur WhatsApp, c'est que des enfants de ses enfants. Oui, ça dépend ce que vous partagez dans ce canal. Nous, c'est vrai qu'on partage énormément de choses. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'accidents de voiture dans nos partages WhatsApp. Léger, hein, évidemment, mais quand j'ai vu tout le nombre de voitures qui ont des trucs un peu défoncés, j'étais là, ah oui, ah d'accord. Ouais, c'est bizarre, on juge pas les Kings, dit Alex Easton. Ah ouais, direct. Non mais c'est nos voitures. Les accidents de voitures les plus chauds de ta région. Et assez cher. Bah oui. Il y a aussi, comment ça s'appelle, j'ai vu ça là sur une vidéo de McFly et Carlito, parce qu'ils ont fait une collab avec Boulanger, une appareil à raclette qui se branche les uns aux autres, et donc en gros, par foyer, t'as un appareil à raclette pour deux, et après, quand tu rencontres les uns les autres, bah, tu peux venir avec ton appareil à raclette et faire une espèce de grande machine à raclette. Pas mal. Bah, Alixal, tu peux représenter Monsieur Xal pour l'effet. Je pense que ça fera un beau cadeau pour réaffirmer votre engagement l'un envers l'autre. Hop. Ouais, bah écoutez. Ouais, j'ai ça pour les crêpes, c'est trop bien. Et bah voilà. Bah, oui. Vous pouvez commencer le côté raclette et offrir ça à tout le monde au fur et à mesure chaque année. En parlant de raclette, hier j'étais tellement jaloux. Je pense que j'ai eu ce regard de jalousie parce qu'il a explosé de rire. J'étais en répète avec le groupe, avec Backbone hier, et au moment, à la fin de la répète, on est tous en train de ranger nos petites affaires et tout, puis de se dire ouais, bon bah à plus, à la semaine prochaine et tout. Et il y a Ipkiss, le chanteur, il fait moi là, je pars en raclette. Et là, j'ai ressenti une telle jalousie. J'étais en mode, wesh, putain, moi aussi, j'avais envie de faire une raclette sur le moment. C'est honteux. Faut absolument que j'en fasse une bientôt. C'est trop bon, la raclette. Très bon, la raclette. Ah, oui. Ouais. Là où j'étais, il y a le meilleur restaurant de fondue, sachez-le.
Génial. Et c'est la meilleure fondue que j'ai jamais mangée de ma vie et que je n'ai jamais mangée que pour le moment, tu vois. Et donc, à chaque fois que je vais sur cette station, donc aux Deux Alpes, je mange... je vous fais, si jamais vous y passez, aux Deux Alpes, le rustique, ils ont une fondue 100% Beaufort. Et elle est trop bonne. Moi aussi, j'ai un rustique pas loin de chez moi, mais c'est pas le même. C'est rigolo. Mais C'est gentil de parler de psychrane comme ça. Énorme. Bon, je parlais du parc rustique, mais oui, c'est très drôle. Je valide la blague parce que je sais que psychrane, il va faire... moi, j'ai pensé à un truc. Entre temps. C'est pas spécialement une news des internets, mais c'est... Vous savez, Luna, elle aime bien nous parler des journées internationales de ci, de ça, et on apprend toujours plein de trucs chelous. Et j'ai vu que c'était avant-hier, je crois que c'était le 8 décembre. C'était la journée internationale Pretend to be a time traveler, c'est-à-dire fait semblant d'être un voyageur dans le temps, de voyageur temporel. Donc c'est une journée internationale où t'es censé rentrer dans un magasin en mode « On est en quelle année ?» 2023, oh mon dieu, ça a marché, tu vois, c'est... Je trouve ça beaucoup trop drôle, en fait. Les journées internationales sont étranges. Ah, mais qu'est-ce qui n'existe pas en journée internationale, quoi, Et on a un psychrane qui est pas rustique, il est authentique, c'est pas vrai. Mais les journées internationales... Mais moi, quand j'ai vu celle-là, j'ai regretté parce que j'en ai entendu parler hier. À un jour près, moi, j'aurais trouvé un truc à faire hein, pour la journée internationale. Ah, quand même. Mais le coup, t'imagines... Ouais, t'imagines, faut le faire, ça, un jour. Tu rentres dans un magasin, alors t'essayes d'avoir des fringues un peu chelous et tout. Genre, je sais pas, t'imagines, peut-être comment seront habillés les gens en 2080, j'en sais. Tu rentres, t'es essoufflé. Il faut du cellophane partout. Tu rentres essoufflé dans un magasin en mode... Excusez-moi, on est en quelle année, là? Mais sérieux, ça peut être... Mais j'imagine la gueule des gens, quoi. Je pense qu'ils t'envoient chez les fous très très vite. Avec du papier d'alu. Moi, j'aimerais... Et ouais. Peut-être que le 8 décembre prochain, préparer un truc. C'est trop cool. Voilà, donc c'est pas vraiment une news des internets, mais c'est vrai que quand j'ai repensé à ça, je me suis dit, ah si, on peut en parler quand même de ça. C'est... Mais on apprend, c'est Luna d'habitude. Bon, elle a pas vu passer celle-là, je pense, mais elle nous a déjà parlé de choses, mais t'as pas idée qu'il y a des journées internationales qui existent, quoi. C'est quoi, ouais. Moi, celle qui m'a marqué, c'est la journée internationale du parler pirate. Ah oui. Et t'as fait, mais pourquoi? Ouais, Moussaillon. Le 8 décembre 2024, c'est un dimanche en plus. Je dis ça, je dis rien. Oh mon dieu! Bah faites attention parce qu'il est possible que ça devienne un truc sur la coupe des maisons, hein. Donc la coupe des trois fées. Je vais quand même le noter, on sait jamais. On sait jamais. Voilà, bien merci de cette info, Alex. Dans un an, peut-être. Bon, d'ici là, tout le monde aura oublié, faut que je le note, sinon on va oublier. Oh, le chat n'oublie jamais, c'est ça. Un an Un an sur un truc anecdotique comme ça, faudrait vraiment qu'il soit à fond. La journée du jargon pirate. Les Sims font la journée du... Ah ouais. Et comment tu parles en pirate, en Simlish? Comment tu dis... C'est un peu grave, je pense. Ouais. Comment tu dis... Moussaillon. Comment tu dis ça en Simlish? Ouais, ça ressemble à ça, le Simlish. Et vous avez voté pour votre clip préféré cette semaine, et c'est Hudson fatigué, mais ça va. Je vous le remontre alors, parce que voilà, c'est dommage de pas voir ça. Ouais, je vous remontre ça. Ça va être du dingue. Hop, hop, hop. Et coucou à Bigorre. Ça va aller très vite, attention. Qu'est-ce que je dis quand je suis fatigué? J'ai dit ça. Je suis explosé, mais ça. Ça, c'est Abigor qui est encore en train de s'inscrire pour la troisième fois, je parie. J'ai pas regardé le chat. Mille fois qu'il s'est inscrit, Abigor.
Oh, c'est ses points c'est de bon, chaîne. Tu es arrivé à Bigorre. Après, faut savoir que c'est ses points de chaîne. Il nous a fait le coup. La semaine dernière, j'étais en brunch avec Luna. Et Luna a dit bah, c'est ses points. Et je suis assez d'accord. Après, voilà, hein, s'il a envie de dépenser ses points de chaîne. Bigorre, oui. je vais jouer le choix pot. Temps, voilà. Non, ça. Bisous. Le temps. Comment ça, sa maison lui papa, il est chez les Leltins, Tumnus. Le Choixpeau ne se trompe jamais. On a un Choixpeau qui fait très bien son travail, il faut quand même reconnaître. Hein, c'est. On a fait la révision du Choixpeau il n'y a pas si longtemps que ça. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Faut le savoir. Il y a une bimbo black dans les clips recommandés pour Hudson. Je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce qu'il raconte ? Quand tu mets, tu sais, les clips en dessous qui sont proposés. Alors, je pense que vu le nombre de vues sur les clips... Oh putain, oui. Heureusement que ouais, c'est presque limite. Je pense que vu le... Alors, je vais retourner le truc, d'accord ? C'est des clips populaires de Fall Guys, apparemment. Oui, d'accord. Et c'est une liste clips populaires de Fall Guys. Et si je voulais retourner ça... pour me défendre devant cette espèce d'accusation déguisée d'Abigor, je dirais que je suis actuellement sur cette fenêtre sur le compte de l'After par Twitch. Donc peut-être c'est pas moi. C'est là, c'est pas recommandé pour moi, c'est recommandé pour l'After par Twitch. D'accord ? Mais je pense que c'est juste que c'est des clips de Fall Guys. Je joue à Fall Guys et c'est un clip de Fall Guys que j'ai fait. Et du coup, c'est des clips avec des milliers de vues. Donc voilà. Abigor, je me suis défendu bien ou ça va ? Bon, avec Abigor, il va toujours juger négativement. Il n'y a aucune surprise. C'est pas faux. C'est pas faux. Bah, si tu me crois pas, tu vas voir les clips populaires de Fall Guys et tu devrais certainement voir la même chose. Bref, je vais remettre encore la musique. Alors... Est-ce qu'il y a encore des points à faire ? Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, la Coupe des Maisons sera mise à jour avec les points du cours du professeur Flotwick tout à l'heure, et la compétition Powerwatch aura lieu. Bah, je crois que c'est tout. Est-ce que j'oublie quelque chose, professeur McLeogal ? Des points pour nous, les Pogum. Non, bah du coup... ça, on n'a pas oublié. Non, je pense que toutes les infos ont été données. Très bien. On peut passer par le petit concept de la journée qui n'est pas obligé de durer très très longtemps. Ça va être... donc on a appelé ça confession diurne. Comme si vous vous rappelez. Pour ceux qui étaient là, pendant les 24 heures de la paix, nous avions fait un petit moment question-réponse avec Luna. On vous propose une version plus light, puisque ce n'est pas la nuit, et la nuit a tendance à permettre plus de confessions. Mais une version plus light avec Mr. Hudson. Donc n'hésitez pas, ça sera des questions plus ou moins personnelles. Voilà, ça dépend si on choisit d'aller un petit peu dans le personnel ou pas. Qu'on va se poser et qui vont être générés par ChatGPT pour pouvoir nous apprendre un petit peu plus les uns les autres. Si vous avez envie de partager sur ces questions dans le chat, n'hésitez pas à le faire. Si vous préférez ne pas le faire, n'hésitez pas à ne pas le faire, évidemment aussi. Et coucou Vindicta. Et on va commencer avec la toute première question. Alors, j'ai demandé à ChatGPT de nous générer des questions intéressantes pour apprendre des choses sur quelqu'un. Je me suis dit, de base, qu'est-ce qui nous sort quand on lui demande juste un truc assez lambda, assez généraliste, etc. Ou comme ça. Et il y avait une petite question que j'aime bien. Qui a été... Alors, il y a eu une question qui m'a fait rire, c'est « Avez-vous déjà participé à une cause ou à un projet bénévole qui vous a touché ?» Oui, ça on a fait. Oui. Mais c'était ça. « Quel aspect de votre personnalité êtes-vous le plus fier d'avoir développé au fil des années, cher professeur Hautefeuille ?» Oh la vache. Eh oui,
ça commence un petit peu dur. C'est chaud. je dirais mon... Ah. Je dirais le côté un peu... Comment dire ça, que ce soit pas trop bateau. Oh, les réponses peuvent être bateau, on n'est pas toujours, on n'est pas toujours originaux. Vous pouvez répéter la question ? Tout à fait. Quel aspect de votre personnalité êtes-vous le plus fier d'avoir développé au fil des années ? Non, je n'allais pas dire ça, Lévi. Ah, mais vous avez... Le professeur Flotwick devait être là, mais donc... par la force des choses, je reprends. Je pense que je peux avoir un enthousiasme communicatif. Le côté d'arriver à donner envie aux gens de me suivre dans mes conneries. Même si ça marche pas pour mes blagues avec toi là-haut. Alors, petite blague à part, j'adore tes blagues de papa. Je préfère juste jouer la blasée parce que ça me fait rire intérieurement. Oui, mais faut pas dévoiler les trucs de magicien. Mais c'est pas grave, c'est... Ce sont des cascades réalisées par des professionnels. Mais ouais, non, ce côté, ouais, c'est j'aime bien partager mes passions et mes délires, et du coup, ça arrive souvent que les gens autour de moi me suivent dans mes conneries ou dans mes idées, du coup, ouais, peut-être ça. Voilà. Et vous, cher professeur McLeogan? Alors, je pense que ce qui a été le plus important pour moi, déjà, je peux dire que oui, c'est vrai. Il est toujours, t'es toujours très, 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 très enthousiaste, même sur les petites idées. Et du coup, ça fait plaisir. Moi, de mon côté, je pense que le truc que j'ai le plus développé au fil des années, qui a demandé vraiment beaucoup de travail, que ce soit avec des psys ou avec l'hypnothérapeute ou de la réflexion de mon côté, et c'est pas du tout fini, tu vois. C'est le fait de m'accepter et d'accepter mais c'est pas vraiment mes limites et mes défauts, mais c'est aussi mes qualités, c'est-à-dire de dire ok, il y a un moment, faut que j'arrête de tout le temps me battre contre moi pour être quelqu'un que je ne suis pas, et du coup m'auto-flageller à chaque fois que je correspond pas à cette image que j'ai envie d'avoir de moi. Et c'est souvent une image qui est irréaliste d'une personne un peu, enfin, slash parfaite, enfin, ce que moi j'estime parfaite, hein, c'est parce que ça va changer d'une personne à une autre, qui en fait correspond à quelqu'un que je peux pas tenir, vous savez, ce genre de truc à faire, à être tout le temps au top de la forme, tout le temps être productif selon les projets, à être... être et présente et intelligente et drôle et machin, excusez-moi, il y a des jours où je suis juste pas de bonne compagnie. Ça arrive, comme tout le monde, et accepter ces variations de c'est pas de personnalité, c'est d'énergie, et je suis assez fière de en fait d'être sur le chemin de l'acceptation. Tu fais pas d'effort là-haut, évidemment que je fais pas d'effort. Et d'ailleurs, j'en ferai de moins en moins, sachez-le. Timnus nous dit difficile quand on s'aime pas, oser un peu plus m'affirmer, même si tout est relatif. Il y a pas besoin que ce soit sur des genres comme ça. Il y a pas besoin que ce soit hyper transcendant, je pense. Ce qui est important, c'est de passer un petit moment pour célébrer le chemin parcouru, j'ai envie de dire. C'est plutôt ça le point. Nous aussi, on t'aime, Amigor. Moi, je pense que je vais répondre mon côté artiste et d'arriver à tester des arts ou activités sans me dire de toute façon, le résultat sera nul. C'est un très bon point aussi, parce que des fois, on n'ose pas parce que... parce qu'on pense qu'on sera nul, et entre guillemets, être nul, c'est normal quand on commence, quoi. Faut pas s'arrêter à ça. Tout à fait, d'accord. Bravo Timnus, bravo Lilisuzy aussi pour vos avancées. Ouais, là-haut, t'aurais été très bonne pédagogue par rapport à un enfant qu'on a eu en essai de trollball il y a pas longtemps.
séance de Troll Ball. Il était bien triste parce qu'il disait « Mais j'arrive à rien !» Alors c'était la première fois de sa vie qu'il faisait ça. Effectivement, il a fallu lui expliquer que quand on est débutant, on est débutant. Et je pense que c'est vrai que t'as raison. On est nombreux à vouloir toujours... vouloir être bon ou être doué tout de suite dans les choses dans lesquelles on se lance. Et c'est juste pas comme ça que ça marche, en fait. Tout simplement, c'est... Pour arriver à l'accepter, ça, en fait, tout simplement. Oui. Et je saurais... Alors, il y a plein de raisons, et en même temps, il n'y en a pas tant que ça. C'est qui, sur le fait de pourquoi on pense beaucoup comme ça, sur le fait d'être, entre guillemets, parfait dès qu'on teste quelque chose. Je pense qu'il y a le mythe de... Enfin, c'est pas un mythe, hein. Je pense vraiment qu'on est tous bons dans quelque chose, mais des fois, c'est pas des activités. Ça peut être, par exemple, on est bon à écouter les gens, on est bon à discuter avec eux. On est bon à comprendre les gens. Et ça c'est pas des... Bon, ça, alors dans le monde de l'entreprise, ça s'appelle des soft skills. Mais peu importe, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas toujours bon dans des activités, on peut être bon dans des relations. Et des fois, on a du mal à le voir. Et du coup, on désespère un peu de pas être bon musicien, bon artiste, bon mathématicien, bon je sais pas trop quoi. Bon cuisinier. Bon cuisinier, bon pour faire le ménage, j'en sais rien. Enfin, côté activité. Et tout ça pour dire qu'en fait, oui, il y a cette recherche de « mais je suis forcément bon dans quelque chose, quoi ». Et des fois, on cherche des années un peu désespérément en se disant « j'arrive à rien ». Et je sais pas trop pourquoi. Je sais, là, j'ai pas assez réfléchi, j'ai passé assez de temps sur cette question pour avoir un truc défini et fini sur ce point-là. Il n'y a pas de catégorie nulle dans l'art, ou plutôt on appelle ça l'abstrait. Mais tu sais que c'est pas si facile que ça, hein, de faire quelque chose d'abstrait qui génère des sensations ou des émotions chez les gens. Hein. Plutôt que... Parce qu'en fait, ce qu'il faut se rendre compte aussi dans l'art abstrait, c'est que le regard est guidé vers des zones de la toile pour faire ressentir ou pour parler de quelque chose. Donc, l'abstrait, c'est pas simple. J'imagine. Mais c'est comme tout, en fait. J'imagine qu'Abigor, il était en train de faire son petit trollolo, comme souvent. Hein. Mais oui, effectivement, j'imagine que ça demande une technique. Enfin, en fait, le cliché sur l'art abstrait, c'est ce que dit Abigor, je pense. Le cliché, c'est... Bah, c'est pas compliqué, hein. tu prends deux pots de peinture, tu balances ça au pif sur une toile, et oh, c'est de l'art abstrait. Oui, ça, c'est le cliché quand il connaît rien, ce qui est mon cas, j'y connais pas grand-chose. Mais j'imagine là-haut, oui, c'est... J'imagine que pour faire... La différence entre, bah, c'est de la peinture sur une toile, c'est moche, et ah, ça me fait réfléchir. Ça doit demander quand même du boulot et du talent, quand même. Et vraie question du talent. Je pense qu'il y a plusieurs écoles hein, sur savoir si le talent existe ou pas. Oui. Moi, je dirais plein... Mais Gwenaëlle nous partage, lui, son avancée. Moi, je dirais plein de choses. La lutte contre sa timidité, car oui, j'étais très timide à la base. D'ailleurs, Gwenaëlle, vous êtes tous et toutes témoins, qui a dit qu'il venait me faire à manger ce midi. Gwen, je t'attends. Dépêche-toi de partir, sinon ça va manger tard. Et bah félicitations aussi Gwenaëlf pour ton avancée sur ce point là. Pendant que Vindicta et Abigor se lancent des fleurs, mais c'est bien, il le faut. Oui, après tout. Et c'est une belle preuve de fraternité puisqu'ils n'appartiennent pas à la même maison en cette période de compétition. Ah ouais, c'est beau. Et c'est beau. C'est vous beau. Voyez, tout le monde est ami dans cette école de magie. Il y a des gens qui ont le talent d'apprendre vite un peu tout et n'importe quoi. Je sais pas. Oui, alors ça, c'est des attributions, j'allais dire physiques. à la naissance, on n'est pas tous égaux dans certains pans de capacité. Oui. Et bah, pour moi, ça, c'est un fait. Trois maisons, mais une école. Même quatre maisons, mais une école. Et l'année prochaine, 12 maisons, je déconne. Non, ne vous emballez pas. Calmez-vous, t'imagines le bordel. euh,
Oui, et il y a des gens qui comprennent en fait les choses plus facilement que d'autres. Mais comme il y a des gens qui ont plus de muscles, qui ont des jambes plus grandes ou des cheveux plus longs, j'en sais rien, enfin bref. Tu parles pas des choses qui fâchent avec les cheveux, s'il te plaît. Non, mais moi je suis petite, hein, ok. Donc c'est pareil. ça se voit moins à l'écran, mais pendant longtemps ça a été très chiant. Maintenant ça va mieux. Qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Pardon. En fait, on a des stats différentes à quand on vient au monde. Pour autant, si on est passionné par un truc, je pense que l'apprentissage c'est juste une question de temps. Il y a des gens qui iront plus vite, mais Osef, non. Genre, si vous avez choisi de travailler sur cette partie-là et que ça prend un peu plus de temps pour vous, let's go. Oui, c'est vrai. Let's go. Puis vous, en fait, il y a sûrement des choses aussi où vous êtes plus rapide que les autres, mais vous n'avez pas forcément l'envie de développer ça. Parce que je me rappelle à un moment avec ma fille, on parlait de ça. Elle parlait de zone de compétence. Il y a des sujets dans lesquels on est compétent, et pas naturellement, je veux dire. On est compétent, mais on n'a pas envie de passer du temps dessus. Il y a des choses dans lesquelles on n'est pas compétent et on n'a pas envie de passer des choses dessus. Donc ça, en général, c'est des trucs qu'il faut vraiment éviter. Il y a des choses dans lesquelles on n'est pas compétent et alors j'ai un peu oublié, où on n'est pas compétent et on a envie de passer du temps dessus. Donc ça, c'est un peu les côtés tryhard. Enfin, genre vraiment, vous allez galérer, mais c'est rewardant à la fin. Et il y a les endroits où on est compétent et on a envie de passer du temps dessus. Alors le but, c'est pas un but, hein, c'est une possibilité. Bah, c'est de trouver en fait ces endroits-là. Et on en a tous. On en a tous qui se recoupent un peu dans les quatre zones. Voilà. Donc faut analyser un petit peu ça pour soi. Pas pour les autres, hein, juste pour soi, pour se dire est-ce qu'on est dans un endroit où vraiment on se sent mal et est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas. Chacun est libre de choisir où est-ce qu'il veut passer du temps. Et coucou Ministos. Hello. Je parle pas aux joueurs d'Overwatch qui m'ont pas proposé une apéro. Bah quand tu veux l'apéro, mais il faut inviter pas mal de gens. Oh, l'apéro à deux c'est sympa aussi, hein, c'est juste plus intime. Petit pas tant que ça. Petit pas tant que ça, pour la timidité. Un grand philosophe a dit que la bonne taille est quand les pieds touchent bien la terre. En gros, là-haut, t'es pas petite parce que tes pieds touchent bien terre, donc t'es à la bonne taille. Oui, bah c'est pas tout le temps le cas. Hein. Je vous le dis, hein. Des fois, il y a certaines chaises ou certains canapés, je peux pas toucher terre. Oui, mais ça... Oui, voilà. Là, petit coup de gueule sur les standards des tailles de meubles. Vraiment rapide, hein. Pour les personnes petites, vous leur donnez le choix soit d'être au fond de la chaise, soit de toucher par terre. C'est très très chiant, sachez-le. Soit on est mal installé, soit on est mal installé. Du coup, tu votes pour être mal installé ? Du coup, je vote pour être mal installé, c'est très chiant. Et du coup, après, tu te tiens pas bien dans les chaises, et les gens sont là, surtout quand t'es plus jeune. Bah tiens-toi bien. Mais gars, tu déconnes ou quoi? Enfin, genre, soit je me mets au fond de la chaise et j'ai mes mollets qui rentrent dans le bord de la chaise, et ça fait mal, wesh. Soit je mets mes pieds par terre et je me tiens droite, mais du coup, j'ai pas de dossier. Donc va bien te faire voir. Ça balance. Non, mais ce moment où les gens te jugent alors qu'ils sont pas à ta place et pas en train de vivre ce que tu vis, alors que je pense qu'à ta place, ils se comporteraient comme toi, des fois, ça m'énerve. Ok, si vous êtes l'inventeur de la chaise, faites attention, cachez-vous, là-haut est énervé. C'est pas tant la chaise, parce que la chaise, je m'en approche, c'est que le regard des gens. Le regard des gens, c'est quand même très très chiant. Voilà, ça aussi, c'est tabou, on en reviendra tout seul. Après, là-haut, pour t'avoir rencontré en vrai... je veux dire, il y a plus petit. Je veux dire, je pense pas que tu sois. Alors, en vrai, ce que tu dis, tu l'as vécu, donc c'est que c'est vrai. Mais moi, ça me surprend. Dans le sens où je me dis, je le vis tout le temps. Mais des femmes qui font la même taille que toi, je veux dire, c'est pas non plus une rareté. C'est ça que je me dis, en fait. C'est je suis bien en dessous de la moyenne féminine.
Oui, il y a des c'est femmes quoi la qui moyenne sont féminine petites. 1m65, un truc comme ça. Ouais, entre 63 et 65, je crois. Et moi, je fais 1m58. Donc, je suis quand même bien en dessous. Il n'y a pas de grand ni de petit dans un lit. Ma... Ouais, ça dépend ce que tu veux faire. Ma chérie fait 1m59 et elle me dit que ça l'a jamais dérangée. Je pense que ça dépend des expériences qu'on a ou pas vécues, en fait, j'imagine. Je ne sais pas si ça l'a jamais dérangée ou si elle s'est adaptée, tu vois. Je sais pas. Parce qu'il y a le truc aussi de c'est bon, ça me dérange pas, parce qu'on se rend pas compte qu'il y a une différence. Il y a pas mal de choses. Un exemple tout con. On était dans une location à Center Park avec mon homme. Et coucou Roxane, coucou Ministos. Alors les chambres étaient un petit peu, enfin les lits étaient un peu grands pour les chambres. Et ce qui était très drôle, c'est que d'un côté, donc t'avais le mur avec un porte-manteau, et de l'autre côté, t'avais juste le mur tout lisse. Alors je sais pas si c'est drôle ou pas, mais voilà. Moi, j'étais du côté avec le porte-manteau pour cette chambre-là. Il y avait une chambre jumelle avec mes parents dedans, et le côté avec porte-manteau, c'est mon beau-père qui était. J'ai passé mon temps. Il était au niveau de ma tête, hein, le porte-manteau, donc je pouvais pas non plus. Enfin, j'étais obligée de le voir, quoi. Donc, je passais mon temps, moi, à me baisser et à l'éviter à chaque fois que je passais. Et mon beau-père, au bout de 2 allers-retours, il a dit : mais c'est quoi ce bordel ? C'est de la merde. Et il a poussé le lit. Au lieu de s'adapter à l'environnement, il a fait en sorte que l'environnement s'adapte à lui. Alors que moi, j'ai accepté l'environnement et je me suis adaptée à l'environnement. Et ça me dérangeait pas. Et. Alors je sais pas si c'est une question de personnalité, une question d'éducation de la société, une question de genre, une question de peu importe, de taille, de haut, de machin, de bidule, de chouette, j'en ai aucune idée. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui prennent sur eux le fait de s'adapter au monde qui les entoure, et il y a des gens qui préfèrent adapter le monde pour qu'il se soit plus confortable pour eux. Et ce truc-là, moi, je l'ai pas, par exemple, sur les chaises. J'en ai marre de m'adapter aux chaises. J'en ai marre de m'adapter au canapé. Donc, je me tiens mal parce que c'est plus confortable pour moi. Et je fais un fuck à tout le monde qui me fait un commentaire. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont pas envie d'embêter les autres et qui s'adaptent en fait à ce qu'il leur est proposé. Et qui osent pas, entre guillemets, c'est pas se rebeller, mais juste un peu se dire. Allez vous faire foutre, quoi. Enfin, moi, ça me correspond pas, donc je fais en sorte que j'aille bien, peu importe la bienséance, quoi. Après, merci Roxane. Après, il y a des gens pour qui sont très à cheval sur ce genre de choses, puis il y en a qui s'en foutent. Genre, ils vont pas regarder comment un tel ou une telle se tient sur la chaise. En fait, je pense que ça dépend des gens. Mais c'est vrai que là où je pense qu'effectivement, là-haut, ça peut être pénible, c'est que t'as beaucoup de gens, je pense, peut-être plus que ce que je crois à la base, qui vont regarder ce genre de trucs et qui vont pas pouvoir s'empêcher de partager leur avis non sollicité, pour le coup. Mais c'est, enfin, moi je sais pour d'autres raisons, par exemple, j'ai tendance, quand je marche, j'ai tendance à pas marcher super droit, j'ai tendance à balancer un peu de gauche à droite, et je me suis déjà pris masse réflexion dans ma vie, donc oui, c'est vrai que c'est pas très agréable, on va dire. Après, les avis, c'est plutôt en famille, évidemment. Donc ça, les gens qui vraiment viennent te dire tu t'es mal, tu tiens mal, ça et les professeurs. Désolée. Mais c'est aussi un peu leur rôle. Mais en même temps, des fois, t'es là, mais putain, change ta putain de chaise. Je me tiendrai bien. Après, les profs n'ont pas de prise sur les chaises qui sont utilisées. Bah oui. Tout le monde en a un, ouais, c'est ça. J'ai un pote qui dit, je suis petite, ok, mais au moins, je peux me couvrir entièrement avec un plaid. Vous avez l'avantage de vous cacher plus facilement. Non, mais en fait, il y a toujours des avantages et des inconvénients, peu importe la situation dans laquelle on est. Et surtout, la plupart du temps, on n'a pas trop le choix. Donc, il vaut mieux l'accepter. perso, je me tiens pas mal, mais c'est la chaise qui est mal faite. On est d'accord. Mon chaise qui est petit, genre ses pieds touchent pas le sol quand il est assis, il s'assoit exactement comme moi sur les chaises. Non, mais en fait, voilà.
Il y a un truc de si les gens ne font pas entre guillemets, parce qu'en fait les gens aussi, faut quand même s'en rendre compte, ils préfèrent être dans globalement dans l'acceptation sociale. Je veux dire, c'est un côté très humain. Pas tout le monde. Il y a des gens qui se définissent à l'inverse de la société, mais de manière globale, on a plutôt envie de pas faire de vagues pour être accepté et pour se sentir bien en société. Donc si quelqu'un fait quelque chose qui a priori ne fait pas de mal aux autres, mais à l'inverse de ce que la bienséance veut, c'est qu'il y a une raison. D'accord ? Et c'est pas en mode « oui, j'en ai rien à foutre des autres » ou « je veux me la péter » ou « je machin », etc. C'est pas la raison principale. C'est qu'il y a une vraie raison de en fait, ça me correspond pas. Ce que la société normative me propose, ça me correspond pas, c'est tout. Sinon, j'aurais accepté. Certes. C'est parti loin. Il y aura pas beaucoup de questions si on part aussi loin à chaque fois, mais c'est intéressant. Hein, c'est intéressant. Oui. On a oublié notre chat GPT. On l'a oublié là. C'est... Bah et tant que le truc continue, il y a pas de raison de repartir sur ChatGPT. Mais oui, à la base, on pouvait demander des thèmes à ChatGPT et il nous générait des questions et après on pouvait choisir. Moi, du point de vue de la plupart des gens, je suis grande, mais du point de vue de ma famille, je suis la naine de la famille. Ah bah ça, oui, tout est relatif. Hein. Mais c'est toujours pareil. Je connais deux potes. Il y en a, il fait 1m95, donc pour à peu près 99% des gens, c'est un géant. Mais il se trouve qu'il a un pote qui fait 2m08. Du coup, il se sent petit à côté de son pote de 2m08. Tout est toujours relatif, en fait. C'est ça. Moi, le pote de 2m08, c'est un petit peu le Mont Blanc, quoi. Alors, d'ailleurs, je pourrais l'escalader. D'ailleurs, ce mec-là, le pote de 2m08, à Cidre et Dragon, il était déguisé en Frodon. Frodon, mais... 2m08. Trop bien. Ton costume était super. Mais Frodon, tu déguises en Hobbit quand tu fais 2m08. C'est très drôle. Ouais. C'est, j'avoue que quand là, il y a une bonne blague avec le costume. Ouais, faut pas s'arrêter à ce genre de truc. C'est déguisez-vous ça. En ce que vous voulez. Exactement ça. Du coup... Est-ce qu'on partirait sur une autre question de ChatGPT ? Ah, vas-y. Giga Frodon. Est-ce qu'il y a un thème ? Est-ce qu'il y a un thème que vous voulez proposer à ChatGPT dans le chat ? Hop. Ça pouvait autant être... Nicia, c'était Frodon 2, la revanche du Hobbit. La magie ! Des questions sur la magie ? On peut voir. Est-ce que vous savez faire de la magie ? Non ! Voilà, c'était intéressant. Est-ce que tu as des questions sur la magie ? Comment récupérer sa magie gratuitement ? À connaître quelqu'un. Et envoyer à Ministos, il va falloir lui faire un cadeau, comment retrouver sa magie pour les nuls ou quelque chose comme ça ? Est-ce que les pingouins font des pingouins ? Alors lui, il prend la magie premier degré, celle qu'on. Les tours de magie, quoi. Ouais, genre Sylvain Mirouf, David Copperfield, quoi. C'est ça. Ah, il y en a une petite qui peut être sympa et qui peut être... je pense. Si vous pouviez réaliser n'importe quel tour de magie, même le plus incroyable, lequel serait-ce et pourquoi ? Oh, il y a de ces questions, lui ? ChatGPT, là ? Oh là là ! Si je pouvais réaliser... Alors, en vrai, faire des tours de magie... Ça pourrait être drôle si tu sais faire des trucs de ouf, en vrai. Ouais, j'avoue, ça doit être sympa. Mais quel tour ? Alors, comment récup sa magie gratuitement ? Ben, Ministos, c'est à travers le travail pour récupérer sa magie. Parce que Ministos, qui était professeur l'an dernier, on vous rappelle, a perdu sa magie lors de la dernière bataille. Mais nous l'accueillons avec plaisir à nouveau dans la maison des Capapas pour qu'il puisse restaurer sa magie. Moi, je suis en train de réfléchir premier degré à la question, pas en tant que ce que les gens sont en train de dire dans le chat, c'est-à-dire des trucs vraiment des trucs magiques. Je suis en train de réfléchir en termes de tours de magie, des vrais trucs qui existent en magie dans le monde. Et je me dis... Bah, en fait, c'est con, mais un truc qui est stylé, c'est faire disparaître quelqu'un devant le public, ça doit être assez sympa, ça doit être satisfaisant, je pense.
de maîtriser ce genre de truc, tout simplement. C'est un truc assez basique, je crois, pour les magiciens. Mais, ouais, je sais pas, ouais... De connaître le truc et de maîtriser le truc à la perfection et de pas se foirer sur le timing ou quoi pour pas que tu vois la personne au moment où il faut pas, ce genre de truc. Enfin, c'est, à mon avis, faut être un expert de détournement d'attention, en fait, quand t'es magicien, je crois. Des choses que j'avais vu un peu passer. Xavier Dupont de Ligonnès, il connaît ce tour de magie, oui, bah c'est un expert. Qui ramène toujours ta politique. Ah là, pour le coup, c'est plus l'effet divers, mais oui. Faire fermer la bouche d'un élève par magie, ça par contre oui, en tant qu'enseignant, juste penser toi la ferme et que l'élève se la ferme, des fois ouais, ce serait ouf. Ça, j'avoue que vous auriez un grand pouvoir, et vous savez que grand pouvoir a grande responsabilité, hein. Faire en sorte de couper le son aux gens à volonté, genre juste tu n'écoutes plus. Non mais genre quelqu'un te parle et d'un seul coup plus personne n'entend ce qu'il dit. Il y en a qui seraient obligés d'arrêter. Ça, en tant que prof, c'est un fantasme de ouf, ça, en tant que prof. Faire disparaître des gens, ce serait bien pratique, des fois. Bon, très bien, je vois qu'on a un chat qui a envie de commettre des crimes. Après, si vous parlez super pouvoir... Le slash mute all. Il y en a qui parlent de téléportation. Après, moi, si vous parlez de super pouvoir, autre chose comme ça, oui, la téléportation, je pense que c'est le plus pratique. Après, moi, ce serait voler, quoi. Voler, il n'y a rien de mieux que ça dans... Enfin, voilà, on va pas se mentir. Enfin, pas moi, en tout cas. Ouais, bah, pendant longtemps, ça a été, quand j'étais petite, pour les vrais super-pouvoirs, ça a été parler aux animaux. J'aurais trop aimé être Blanche-Neige. en pouvoir, ce qui est différent. Honnêtement, pour la magie, j'ai aucun. Mais en pouvoir, ce qui est différent. Bah, alors, et dans la vraie vie, les tours de magie que j'aime beaucoup, et qui, quand ils sont très poussés, et qui sont vraiment basiques, c'est quand ils font disparaître des choses et qu'ils les font réapparaître à des endroits un peu chelous. Mmh, oui, je vois. Mais vraiment poussé au max, je sais, je trouve ça assez impressionnant. Ah, mais ils sont balèzes, hein. T'en as. Ouais. Et c'est assez agréable à ça. Et il y a un peu, je sais pas si c'est vraiment de la magie, mais le côté mentaliste. J'aime bien tout ce qui est. Deviner des choses sur les gens. Je crois que c'est assimilable. À travers un peu leurs réactions et leurs trucs. Je crois que c'est assimilable à de la magie. C'était Fabien Olicard, je crois, qui avait dit ça, dans le sens où t'as un côté illusionniste parce que tu t'amènes les gens où tu veux les amener pour qu'ils te donnent les informations que tu veux qu'ils te donnent et ils s'en rendent pas compte. C'est un point commun avec la magie, c'est-à-dire t'arrives à endormir, et même des gens qui se disent bah vas-y tu m'auras pas, vas-y, il arrive à lire en eux, et pour moi c'est un peu une forme de tour de magie, ouais, c'est... C'est comme Licia, ouais, mentaliser. J'ai envie de manipuler les gens. La créomancie, créer n'importe quoi avec rien. C'est vrai que c'est stylé aussi. Pas besoin d'un pouvoir pour parler aux animaux, ils savent très bien s'exprimer avec leurs yeux quand ils le veulent. Oui, mais je parlais de conversation profonde. Parce qu'en effet, tu peux communiquer avec les animaux. T'apprends à comprendre leur comportement. Et eux aussi apprennent à comprendre le tien. Mais là, je parlais de qu'est-ce qui l'embêtait, de quoi il avait peur, quels étaient ses projets dans la vie. Enfin, voilà, tu vois. Ah, moi, si je pouvais parler à mon chat, mais j'y poserais des questions. Mais des bisous, Dorian. Bisous, Dorian. Passe une bonne journée. Merci d'avoir été là. Mais je pense qu'honnêtement, si je pouvais parler à Gribouille, mais je poserais des questions de ouf. Genre, quand elle est devant le miroir, là, je lui dirais « Gribouille, tu comprends qui c'est le chat dans le miroir ?» Il y a tellement de choses que tu pourrais savoir si tu pouvais leur parler. Quoi. C'est... Tu pourrais comprendre comment il fonctionne. L'année dernière. Mais oui. Mais exactement. Mais oui. Mais tu sais, tu faisais des bruits chelous. Qu'est-ce qui se passe? Mais le coup du miroir, moi j'aimerais bien savoir ce qu'ils pensent. Voilà, pourquoi ils ont peur? Pas tous, moi elle s'en fout, elle réagit pas au miroir. C'est pour ça que j'aimerais bien lui poser la question si je pouvais. Et vous savez que j'ai jamais eu de miroir au niveau de Pistache. Et là en ce moment, on a un miroir qui est posé par terre avant de l'accrocher. Mmh. Et donc pour les premières. Ça fait une semaine que c'est le cas. Et donc là, c'est les premières fois où ils se découvrent dans un miroir. En presque 9 ans de vie. Oui, mais est-ce qu'ils sont capables de comprendre ce que fait un miroir? Moi, j'avoue que
J'ai déjà essayé de faire des tests avec Gribouille, mais elle réagit pas, elle s'en fout. C'est-à-dire, elle est devant le miroir, je me mets avec elle devant le miroir, je la porte, comme ça, devant le miroir, pour voir si elle est capable de conceptualiser. Mais attends, il est... Et c'est le même... je sais pas si elle est capable de comprendre un reflet. Je pense qu'il faut pas leur prêter des pensées trop humaines. Mais je sais pas. Je sais pas, peut-être. C'est... Mais oui, mais il faut pas les sous-estimer non plus. Parce que du coup, si elle est capable de comprendre ça, il y a rien qui l'empêche de dire « Bon, bah ça, c'est moi ». Et là, s'ils comprennent ce qu'est un miroir. Et je sais pas si c'est possible. Je sais que... Ouais, les bébés, au début, ils comprennent pas. Je suis d'accord, ça s'apprend. En fait, tu peux apprendre pas mal de trucs et je pense qu'ils finissent par savoir. Mais je sais qu'il y a des preuves que certains animaux comprennent facilement les miroirs. Les éléphants, apparemment, ils comprennent. Il y a des tests hein, qui pour prouver ça. Certains mammifères marins, tout ce qui est baleine et tout, apparemment, ils comprennent les miroirs. Les singes, les grands singes, ils sont proches de nous. C'est assez intéressant. Et pour les chats et tout, je crois que je sais pas si ça a été tranché. On est parti loin. j'ai changé le sujet, je suis désolé. Non. Donc Pistache, pour l'instant, en tout cas, ne comprend pas parce que c'est la première fois qu'il voyait son reflet. Mais il n'est pas non plus en mode attaque. Il est plus prudent. Mais quand même, aspect sur le côté en mode tu fais une dinguerie, je t'attaque. Ouais, les réponses à ces questions. Non, moi, mon projet de la vie, c'est de dormir toute la journée et gerber mes croquettes d'eau de toilette de temps en temps, juste parce que ta tête ne me revient pas. Non, mais je pense qu'il nous aime. Alors, le concept du miroir, quand elle voit un truc dans le miroir, elle va le chercher pas dans le miroir, mais dans la pièce. Et bah voilà. Donc si, je pense que les chats peuvent apprendre. Les chats, les chiens, etc. Mais c'est sûr que bah, c'est un système d'apprentissage, hein, mais comme nous. Si on nous avait pas un peu appris à comprendre que c'était nous... J'avais vu passer un mème, je crois, je sais plus exactement, mais c'était... J'avais vu passer un mème comme ça, c'était un chat qui se regarde dans un miroir et qui fait une tête chelou. Et le mème, c'était en gros, genre, attends une minute, je suis un chat ? Oh mon dieu ! Voilà ce que ma bébé chat en pense. Et bah écoute, quand on arrivera... Je vois qu'à la fin, elle a fini par ronronner. C'est ça. C'est qu'elle est quand même contente. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Est-ce que vous voulez un autre sujet pour ChatGPT ? Ou un autre sujet toi, Tson ? Est-ce que tu as des thèmes sur lesquels tu es curieux d'apprendre plus de notre chat ou de moi-même ? Hop. C'est compliqué. C'est dommage, il aurait fallu qu'on ait le temps d'y réfléchir. Miss Tigri. Comment tu vas ? Les coca non ministos. Pourquoi les coca sont si swaggy ? Mais parce qu'ils sont mignons. C'est vrai. Ils ont une bonne bouille. On a l'impression qu'ils sourient tout le temps. Oui. Qui va gagner la coupe des trois fées, ChatGPT ? Ah, ouais, je sais pas s'il a la ref, ChatGPT, mon pauvre Vindictor. Ah, je ne pense pas qu'il a la ref, mais on peut lui poser la question, voir s'il va avoir le bon. Qui va gagner ? Et là, ChatGPT te fait les pogoms de neige, c'est évident. Parce qu'il il veut tout le temps répondre. Donc, qui va gagner la coupe des trois fées entre les pogoms, les capapas et les loltins ? Hop. Il est possible que... Alors, je suis désolée, mais je ne dispose d'aucune information concernant une coupe des trois fées impliquant les pogoms, les capapas et les loltins. Il est possible que cela soit une référence à un événement fictif ou à une création personnelle, mais je ne peux pas fournir de réponse précise à cette question car je n'ai pas de contexte à ce sujet. Si vous pouvez fournir plus de détails... Alors, c'est la troisième année. Et les deux premières ont été gagnées par les capapas. Pour le moment, les capapas et les pogoms sont à égalité. En première place, il reste encore les deux tiers des preuves pour la compétition. Tu l'as pris vraiment au sérieux cette question. Parce que je suis juste curieuse. Les amis, vous allez apprendre peut-être bientôt qui va gagner.
Je comprends mieux maintenant. Il s'agit donc d'une compétition fictive entre trois équipes, les Kappa, les Pogoms et les Loltins. Les Kappa ont remporté les deux premières éditions et actuellement les Kappa et les Pogoms sont à égalité en première pièce. Bravo ChatGPT, tu as résumé. Il reste encore un certain nombre d'épreuves pour déterminer le vainqueur de la troisième année de la compétition. Sans plus de détails sur les épreuves ou les compétences impliquées dans cette compétition, il est difficile de prédire qui va gagner cette année. Il dépendra probablement des performances de chaque équipe. Dans les épreuves à venir, il serait intéressant de suivre la compétition pour voir qui finira par l'emporter. Et bah voilà, stay tuned jusqu'à la fin de la compétition pour savoir qui va l'emporter. Même ChatGPT ne le sait pas. Oh mon dieu, le suspense est là. C'est dingue, donc rien n'est joué. Si ChatGPT n'est pas capable, vous n'êtes pas capable non plus de savoir qui va gagner. Donc donnez toute votre énergie et vos efforts pour faire remporter votre maison. Est-ce qu'on s'attendait à ce que cette question troll termine là-dessus? Non. Mais c'est drôle. Oui. Ah, mais moi, je suis team premier degré, Lysiar. ça n'a jamais changé depuis que je suis là à la paix. Les copains essayent de m'initier, et vous aussi dans le chat, au second degré. Mais moi, je trouve que beaucoup de choses sont beaucoup plus drôles quand on les prend au premier degré, un peu au sérieux, et qu'on est pris par le truc. Plutôt que d'être... En fait, c'est ça. Je rapporte le second degré un peu au côté blasé des gens. Mmh. Ah, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est facile de tourner en dérision, mais c'est plus difficile, je trouve, d'essayer de comprendre et de prendre au sérieux ce qui se passe chez les gens ou de manière générale. D'être un peu curieux, en fait. Okay. C'est pour ça que, en fait, le second degré, j'ai un peu du mal. Parce que je comprends pas les intentions derrière. Parce que je crois que toute cette action, même que tu sois au conscient ou pas conscient, il y a une intention derrière. D'accord. Et le second degré, souvent, c'est parce que soit t'es pas à l'aise, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Je fais à chaque fois un disclaimer sur ces trucs-là, tout ce que je dis n'engage que moi. Mais je pense que tu as des intentions, soit parce que tu n'es pas à l'aise avec la conversation, soit tu n'as pas envie de réfléchir sur toi et ça te ramène sur des sujets avec lesquels tu n'as pas envie de réfléchir, soit tu es ignorant, et souvent quand on est ignorant, on tourne en dérision pour se moquer. Voilà, c'est mon avis sur le second degré, et que ce soit conscient ou inconscient. C'est tout. On est parti très loin pour quelqu'un qui pensait juste troller. Vous avez vu, si vous trollez avec là-haut, faut être prêt, hein. Et on a une menace de la part de Lady Lilyfin qui nous dit que si les Kappa ne réalisent pas un 3-0 en gagnant la compétition cette année, elle devient la nouvelle Barkmaster. Au moins on est prévenu. Ah oui, Paul le Poulpe, celui qui devinait les gagnants de matchs de foot. Oui, qui devinait. Exactement. Devinait avec des gros guillemets partout. Ouais. Alors, est-ce que vous avez un autre thème ? Et coucou Faël, à poser à ChatGPT pour coucou terminer. Officiel, et que je dors. Est-ce que je dois me réveiller deux fois ? Eh ben, je pense que oui, Let's Be. Pas forcément, mais... C'est déjà arrivé à certains d'entre vous de rêver qui... Enfin, de croire se réveiller d'un rêve, et en fait, ils sont toujours dans un rêve. Je pense que ça m'est jamais arrivé. Pensez-vous que la réalité que nous percevons est objective ou bien est-elle construite par notre esprit? Mais là, il va faire une réponse de 22 pages. Est-ce qu'on a vraiment le temps? Après, ça peut. On n'est pas obligé de rester 4 heures. Moi, ça m'arrive souvent de me réveiller dans mon rêve. Non, puisque... Moi, je pense pas que la réalité est... En fait, c'est pas que la réalité qu'on perçoit est pas objective. C'est que notre interprétation de la réalité n'est pas objective. En fait, c'est ça. Je crois qu'en fait, déjà, ne serait-ce que la vision d'un être humain... Bon, sans compter que les êtres humains n'ont pas tous la même vision des couleurs, puisqu'il y a des gens qui sont daltoniens, déjà, rien que ça. Mais toi, tu regardes un truc, tu dis c'est rouge. Mais une autre espèce va pas voir ça de la même façon. Et d'ailleurs, tiens, j'ai une question chelou par rapport à ça. Imagine le délire. Moi, je vois des couleurs, je sais ce que c'est que le rouge, je sais ce que c'est que le vert, je sais ce que c'est que le bleu, etc. Qu'est-ce qui me dit que ce que toi t'appelles le bleu, c'est ce que moi j'appelle... Et qu'est-ce qui dit qu'on voit tous les couleurs de la même façon? Imagine la dinguerie.
Oh. Ah, mais, non mais c'est même sûr qu'on voit pas tout à fait les couleurs de la même façon. parce que il y a certaines nuances de couleurs. Alors globalement les grosses couleurs on les voit tous. C'est-à-dire qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est plutôt dans le rouge, plutôt dans le bleu, sauf les personnes qui ont des dysfonctionnements là-dessus, quoi. Donc, que ce soit le daltonisme ou ceux qui voient en noir et blanc ou des choses comme ça. Mais disons que tu n'as pas de variation là-dessus. On est tous d'accord à peu près dans quelle zone du spectre des couleurs c'est. Par contre, les nuances, si c'est un peu plus orangé, par exemple, si ce rouge est un peu plus orangé ou un peu plus foncé ou un peu plus machin, etc., ou si ce bleu est plus vert que violet, on n'a pas la même perception. Et c'est pour ça, j'avais lu quelque part que c'est pour ça que, par exemple, les hommes, comme une grande partie de l'appréhension des couleurs est sur nos chromosomes sexuels, les hommes ont moins de nuances sur les couleurs que les femmes. Ah ouais? Parce que c'est le chromosome X. Enfin, je crois que c'est le chromosome X qui porte une partie de ce truc-là. Et donc, comme on en a deux, on a plus de capacité à différencier les couleurs et les nuances. Dinguerie. Voilà. Et donc, quand une femme vous dit, bah non, là, tu vois bien, c'est un peu plus comme ça. Et qu'on dit, mais qu'est-ce que tu racontes que C'est la même Exactement. Chose Donc toutes ces discussions sur la couleur du canapé entre couples, couples de, en fait, de ça peut sexes pas différents... En fait, tu peux pas arriver à te mettre d'accord, en fait, du coup. Bah non, tu peux pas, parce qu'en fait, on perçoit pas la même chose. On voit pas toutes les couleurs de la même façon, parce que déjà, on n'a pas tous les mêmes nombres de récepteurs, sans en parler de daltonisme. Et oui, et après, d'une personne à une autre, même avec le même genre... Enfin, les mêmes chromosomes sexuels, bah, du coup, il y a des variations d'allèles. Par exemple, ça m'arrive très souvent que les gens me disent telle couleur c'est du vert, alors que pour moi c'est du bleu ultra bleu, ou inversement. Est-ce qu'on va ressortir l'histoire de la robe blanc et or ou noir et bleu, je sais plus quoi là. Non, bah ça c'est une illusion d'optique, c'est pas pareil. Mais... Tout comme on ne perçoit pas les goûts et les odeurs pareils parce que nos capteurs ne peuvent pas être identiques d'une personne à une autre. Donc, d'une personne à une autre, en fait, en tant qu'espèce, je pense qu'à nous tous, on a une perception de la réalité réaliste. Voilà. Parce que ça recroise les informations, etc. La vraie question que je me pose par rapport à ça, c'est est-ce que comme nos capteurs sont faits sur nous, enfin, toi, toutes les machines, c'est nous qui les inventons, est-ce qu'elles captent réellement la réalité ou ce qu'on veut qu'elles captent? Je crois qu'il n'y a pas de réalité objective de En fait, par exemple, un perroquet va regarder, il perçoit apparemment énormément plus de couleurs que nous, de nuances. Que nous, on ne peut même pas conceptualiser les nuances de couleurs que les perroquets voient, parce que comme on ne les voit pas, on ne peut pas les conceptualiser. Mais apparemment, déjà, il n'y a pas de vraie objectivité sur ça, c'est-à-dire que... Bah, pour le perroquet, c'est sa façon de voir qui est réaliste, qui est réelle. Donc, en vrai, putain, on est parti sur un truc philosophique, mais c'est intéressant. Mais c'est vrai que toute réalité perçue est subjective, d'une certaine manière, puisque ça dépend de nous, notre anatomie, nos récepteurs sensoriels, notre cerveau, notre... C'est passionnant et en même temps... Bah, du coup, et si on va plus loin, ça n'a que très très peu d'intérêt de faire des vrais débats de fond avec ce que les gens perçoivent de la réalité. Mais là, du coup, ça s'applique à vraiment plein de choses, quoi. Mais je crois... Quand je dis débat, c'est veut dire essayer de convaincre de l'autre qu'on a raison. C'est pas une question d'échanger sur sa perception, parce que c'est toujours intéressant de comprendre ce que les autres vivent ou pensent. Mais en fonction de comment on est capable de ressentir les choses ou de les capter, et bah, par défaut, en dehors de notre histoire et de notre vécu et tout ce que vous voulez, y a très peu de chances qu'on perçoive les mêmes choses. Le saviez-vous, les oiseaux ont des couleurs sur le spectre des... Et je suis pas d'accord avec ce que t'as dit au-dessus d'ailleurs, Ministos, je reviens juste, peut-être les hommes qui sont juste culturellement des bourrins qui utilisent les couleurs des crayons de couleur, ma pète pour toutes les couleurs. Alors, je pense que c'est une petite blague, tu vois, en mode lolilol, différenciation dans la culture. Mais je tiens à dire que il y a des différences entre les deux sexes. Je sais plus si on doit dire genre ou sexe, hein, par rapport pour la biologie, c'est sexe. Pour la biologie, je crois que c'est la biologie, c'est sexe. Donc, ouais.
Y a des vraies différences qui sont dessus. Pour autant, ça n'empêche pas les gens d'être attirés par des trucs dans lesquels ils sont, entre objectivement, par la biologie de base, moins compétents. Mais ça n'empêche pas d'être très compétent dans ces domaines, alors que c'était pas, oui, y a une pas le point fort à la base. Il y a une réalité biologique. Si tu vois pas certaines couleurs ou certaines nuances, bah, tu les vois pas, tu peux rien y faire. C'est comme ça, c'est... Et Après, ça n'a pas empêché des personnes. Enfin, on prend souvent l'exemple. Comment il s'appelle Beethoven. Il n'était pas sourd de naissance, mais il est devenu d'exceller dans un endroit où, au fur et à mesure, ça s'est dégradé, quoi. Sachant que c'est quand même fort d'être une légende de la musique au point où était arrivé Beethoven. En étant très très fortement malentendant, c'est quand même balèze, quoi. Le saviez-vous, les oiseaux ont des couleurs sur le spectre des yeux arrivés et en fait sont super jolis et pas juste gris ou marron. En plus, on capte pas tout sur le spectre des couleurs. Mais ça veut dire que concrètement, il y a des bandes qu'on voit pas. Et si tu regardes avec des caméras qui te permettraient de voir les UV, les trucs comme ça, oui, tu percevrais plus de couleurs, d'accord. Sur un oiseau, par exemple, sur un moineau. C'est intéressant. Et j'imagine qu'entre eux, du coup, ils se voient pas du tout de la même façon que nous, on les voit, du coup, forcément. Il y a des choses que... Et on peut pas imaginer. Parce qu'on peut les traduire avec les couleurs qu'on voit, mais en fait, ça a pas tout à fait le... On peut pas vraiment conceptualiser comment on voit une autre espèce, par exemple, ou comment perçoivent les choses une autre espèce. On peut que se projeter par rapport à notre sens, à nous. C'est ça. Mais sauf si sur le spectre, ils sont plus... plus restreint que nous, mais des espèces qui ont plus de couleurs que nous, c'est ça devient enfin plus de spectres visibles que nous, ça devient compliqué. Bah oui, par exemple, j'ai pris l'exemple des perroquets, mais c'est ça, tu sais pas comment voir un perroquet. Non. Quand j'étais aveugle ou j'étais ou je l'étais pendant un temps, lol, connerie, quand tu es enfant, lol, je parlais souvent avec des non voyants et honnêtement, je me suis dit j'ai un avantage sur eux parce que je connaissais les vraies couleurs par rapport à eux et que ils se l'imaginent. Tu as été aveugle et tu as retrouvé la vue, Vendicta. D'accord. Je sais pas que c'était possible, mais ok. Bah. J'espère que t'es plus aveugle, parce que sinon ça va être compliqué pour Overwatch. Déjà pour lire le chat, tu sais. Bah c'est ça, il y a des... Enfin voilà. Donc, est-ce que notre perception est objective ? Non. Et puis en plus, entre la perception et ce qu'on en comprend, il y a encore un filtre qui se met, outre nos capacités de percevoir. Donc, des fois on oublie, hein, et c'est normal et c'est humain, mais c'est bien d'être un peu humble sur ce qu'on comprend du monde. Tout à fait. Mais ça, après, voilà, c'est la biologie, tout simplement. Mais c'est passionnant C'est passionnant, ça peut porter très loin, ce genre de réflexion. Et c'est bien, c'est que tu arrives toujours à ramener les choses à de la réflexion un peu profonde, là où tu y arrives toujours. Au fond, moi, je suis une philosophe. je peux réfléchir sur tout dans la vie. Des fois, c'est très chiant pour mon entourage. Ils sont vraiment là, mais arrête de chercher des explications partout. J'ai juste pas envie. Ok. La question pourquoi ? Mais pourquoi ? Et comment ? Et pourquoi ? Et comment ? Ouais, t'as beaucoup de gens qui ont juste envie de répondre, mais ta gueule. C'est ça. Ma rétine était détruite à cause d'un pistolet à billes, et donc tu as fait de la chirurgie réparatrice. Ok. Je comprends, sachant que... Et du coup, t'avais perdu la vue des deux yeux ? Comment ça se passe ? Je ne vois plus rien pendant un an, j'étais en mode chirurgie tout le temps pour qu'il répare et recolle les morceaux. Oh la vache, ça a dû être vraiment traumatisant. Après, pistolet à billes dans l'œil, quoi. C'est vrai que ça, c'est le genre de conneries. C'est pour ça que quand vous faites de l'airsoft, vous avez obligatoirement la protection pour les yeux. Hein. Me semble-t-il que c'est obligatoire. Si un jour on vous fait essayer l'airsoft et que vous n'avez pas le masque de protection pour les yeux, le faites pas.
Et idéalement, faut avoir un protège-dents aussi. Ça s'est arrangé, tant mieux, quoi. Bah, clairement, oui. Dans le fond, on oublie déjà très souvent que nous ne sommes que des singes plus ou moins évolués. Faudrait demander à des biologistes, mais... On est, on est parents avec eux d'une certaine façon, ça c'est sûr. Ouais, on est des cousins. C'est ça. J'ai terminé la série sur Netflix de Spielberg sur la vie sur notre planète, je crois que ça s'appelle comme ça. Il a fait 8 épisodes qui retracent un peu l'histoire à travers le règne animal sur notre planète. Et le dernier épisode parle du coup de l'homme. Ok. Et en vrai, très très intéressant parce que tu comprends... déjà parce que moi il m'a repassé un petit peu en lumière certaines espèces. En mode, rendez-vous compte, ce sont les descendants soit des dinosaures, soit des premiers habitants de la planète, des machins, etc. Voici la forme qu'ils ont aujourd'hui, là, maintenant. Et en vrai, c'est impressionnant. Du coup, tu reprends un petit peu le waouh sur tout le règne animal et végétal. Et surtout, c'est rythmé par toutes les catastrophes qui ont failli raser la vie sur Terre. Et expliquer comment, etc. Donc, c'est pas un truc chronologique, ça évolue dans le temps. C'est-à-dire que ça prend un certain moment et ça te montre ce que c'est devenu maintenant. Et après, comment ces animaux ont disparu de la surface. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu. Parce que ça rajoute un petit peu de magie dans notre monde actuel. Ça montre à quel point aussi la vie est un peu une chance. Et que l'équilibre est très fragile. mais en même temps, ça fait des millions d'années que malgré le fait qu'elle a failli disparaître déjà 5 fois, hein, en centaines de millions d'années, il y a eu 5 énormes catastrophes qui ont failli raser la vie de la Terre. Et je savais pas, tout simplement, je savais pas. Donc ça a fait voyager. Et les effets spéciaux sont très bien faits. En fait, c'est un mélange d'effets spéciaux et de vidéos de notre planète. J'imagine que la fameuse astéroïde qui a éteint les dinosaures est comptée dans ces 5-là, j'imagine. Ouais, 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 oui, bien sûr. Je crois que c'est... C'est la dernière, d'ailleurs, non? Non, non, c'est pas la dernière. C'est la quatrième, je crois. D'accord. La quatrième ou... La cinquième étant... Vladimir Poutine. L'ère glaciaire. D'accord. Vas-y, mon Poutine. Je crois, si je me trompe pas. Des primates, mais surtout sortis du tableau des espèces car supérieurement intelligents, donc plus animales. Oui, enfin, ça, c'est une conception de l'être humain. Bonne game, Vindicta. Bonne game. Effectivement, vers. Je crois que c'est vers 14h, mais vous aurez confirmation sur Discord. Effectivement, cet après-midi, c'est Powerwatch, ça compte pour la Coupe des Trois Maisons. Vous avez eu le Magic Gartic la semaine dernière, cette semaine c'est Powerwatch, donc vous allez avoir les Pogoms de Neige contre les Capapa Noël. Malheureusement, les Leltins n'ont pas pu rassembler une équipe. On est un peu triste parce que c'est la deuxième année consécutive que ça arrive. Après, voilà, bon, bah, Overwatch, c'est peut-être plus compliqué pour certains de pouvoir le faire. Bon, néanmoins, on va suivre ça et on espère que vous allez bien vous amuser, surtout parce que ça reste, des blagues à part, la compétition, on est à fond. Hein. L'important, c'est de s'amuser quand même. N'oubliez pas. Oui, et de faire de votre mieux. C'est ça. Voilà. On s'arrête. Est-ce qu'on s'arrêterait là? Je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter. Et merci à toi pour ce concept qui nous a encore amené à réfléchir plus loin que ce qu'on pensait. Et voilà, un brunch un peu hybride aujourd'hui. Hein, parce qu'on, j'explique pourquoi je dis hybride, parce que là-haut a animé le concept, mais c'est moi qui host le brunch de base. Donc là, on a fait un petit croisé
Voilà. C'est des choses qui peuvent se faire, hein, ça marche bien. Ça marche bien. Ça permet de se concentrer sur d'autres choses. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Du coup, on vous remercie d'avoir été présent. On vous remercie d'avoir été présent à ce brunch. On vous dit donc, encore une fois, à cet après-midi pour la compétition, la Coupe des Trois Fées, Power Watch, en compagnie de Flo-Flo. Et d'Alixol, tout à fait. Qui sont vos commentateurs cet après-midi. Ils seront vos hôtes cet après-midi. Ça se passe où ? Ça se passe ici même sur la chaîne Twitch de l'After Part Twitch. Si vous voulez en apprendre plus, le Discord que je vous mets. Et n'hésitez pas, si vous voulez rejoindre la fête de l'école de magie, il n'est pas trop tard, vous pouvez vous inscrire sur les lives de l'After Part Twitch, notamment. Il y a des points de chaîne. Ça se passe en dessous en points de chaîne. Et comme vous pouvez le voir, les équipes pour cet après-midi sont à fond. Ça fait plaisir. Donc Pogum contre Kappa, même si vous êtes lutin, vous pouvez soutenir votre équipe préférée. N'hésitez pas à aller envoyer de la force aux copains participants. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Exactement. Merci aussi, en tout cas. Merci à toi, là-haut. Merci à toi, là-haut. Et merci tout le monde. Et avant de se laisser, on va peut-être voir à qui on va rendre une petite visite. C'est-à-dire un raid, hein, très clairement. Il y a Paume, il y a Bandalf, il y a Fifou. Je ne sais que choisir. Je ne sais pas quels sont les ça stats fait de raid. Paume, ça fait longtemps, non ? Je crois que ça fait plus longtemps, Paume. Je crois que parmi les trois, c'est celle qu'on a raid depuis le plus longtemps, me semble-t-il. Bah écoutez, ça va être Paume. Moi, ça me va. On va aller voir Paume. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout à l'heure pour la compétition. Alors, je serai probablement dans le coin. J'ai des choses à faire cet après-midi. Où tu vis, Moldu ? Donc je serai peut-être pas vraiment présent sur le chat, mais j'aurai un œil dessus. Merci tout le monde. Et bonne compétition. Des bisous. Compétition, des bisous. Ciao, ciao.